chaud. Bon. Alors, baisse un peu le volume de la Xbox ou sa PlayStation. Baisse-moi un peu le volume, s'il te plaît. Je ne veux pas t'entendre parler, même si ton jeu est sucré. Pardon. Juste que tu me laisses, je vais. Coucou, bonjour, bonne année, bonne année, bonne année. Discours de fin d'année, exactement, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Baisse-moi le volume, s'il te plaît. Oui, baisse encore, oui, c'est bon. Merci. C'est les matchs que tu vois tout le temps. Coucou, bonjour à tout le monde. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. Bonjour, 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 bonjour. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Alice Nana. Bonne année, Nathalie Ngacha. Bonne année à toi. Bonne année, Farel. Bonne année à tout le monde. Voilà, CVMB, bonne année. Je n'ai pas le son. Il n'y a pas le son. Ouais. Encore. Le son m'a fou. C'est-à-dire que je ne comprends pas les trucs qui m'énervent. Il n'y a pas le son. Il y a le son maintenant ou pas? Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Nicole Ketcha, la fille de ma copine et ma fille aussi. Il y a le son. C'est bon, il y a le son. Merci. On attend quand même le nombre. Je n'ai pas voulu faire le live le soir parce que le soir, c'est le réveillon et je suis en famille. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire le direct le soir. Ça va, mamie? Ah. Excuse-moi d'avoir dormi dehors. Je suis rentrée. C'est quand tu ne me vois pas. Pendant un salon, non. Et ça fait sa vie. Elle veut s'allonger. Ça va, mais pas où tu partais. Pas où tu partais, mamie. Quand la mère ne me voit pas comme ça, elle se demande que je suis où. Elle m'a cherché. Je suis allée faire ma vie. Je n'ai même pas voulu venir sonner en bas de chez toi. Tu ne m'ouvres pas. Je me suis dit que si je sonne, on ne m'ouvre pas. Le froid va me finir dehors. J'ai eu raison, non, chou. Voilà. Il arrive mon saut, celle que son cœur bat toujours dès que j'annonce un direct. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé de boire de l'eau pendant que je parle. J'attends le nom partagé dans les groupes. Voilà, discours de fin d'année de la reine mère. On attend 1000 personnes. Il y a petit 1. L'année 2023. Petit 2. Quand je vois une tête de mort sur un commentaire, je suis obligée de bloquer. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un met une tête de mort quand on dit bonjour la code compresseur. La personne qui a mis la tête de mort sera bloquée. Alors, petit 1, l'année 2023. L'année 2023, petit 2. Petit 2, on va parler de. On va parler de l'année 2023. En bref. Voilà. Mon discours, c'est un discours de paix. Petit 2, on va revenir sur les teams. On va parler un peu des teams et nous, les leaders. Les leaders. Leaders des teams et fans. On va parler des leaders et fans. Petit 2,
leader des teams et fans. 3. Nouvelle résolution. Nouvelle résolution. Solution pour 2024. Pour 2024. 4. Mes prochaines destinations. Mes prochaines destinations 2000. Destination 2024. Et mes contrats. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, mon continent. Ah, la vie de l'homme. Ne lis pas les mauvais commentaires exactement. On va parler de nos... On va commencer par... J'attends qu'on soit 1000 personnes. Coucou, le président Edouard Bala. Bonne année, mon grand frère. Bonne année, le président des présidents Omoulema. On parlera des teams. On parlera, petit 1, année 2023, ce qui fera partie du passé. 2, nous les leaders et fans. 3, nouvelle résolution. 4, mes contrats 2024. Partager. Là, vous savez le réveillon. Vous savez comment ça se passe. Ça se passe le réveillon. Comment on appelle là? Aujourd'hui, c'est le réveillon aussi. C'est un réveillon, non? Ok, c'est pour les grands. En Afrique, c'est pour passer les enfants, c'est Noël. Maintenant, les grandes personnes, c'est Nouvel An, non? Merci pour les cœurs. Hein? Merci pour les cœurs. Poupina Mafo. Merci à tout le monde. J'attends le nombre. C'est la Saint-Sylvestre. Ok. Aux États-Unis. Voilà, on est 1000 personnes. On va commencer. Alors, rebonjour à tout le monde. Bonjour à toutes ces personnes-là qui me suivent partout dans le monde entier. Bonjour à ma fanbase, les abeilles. Bonjour aux sympathisants et tous ceux qui me suivent de partout dans le monde. Bonjour aussi à tous les blogueurs et blogueuses, les collègues qui me suivent. Merci à vous. N'hésitez pas d'envoyer les étoiles pendant mon discours pour encourager et féliciter. Avant de commencer à développer, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence en mémoire du mari de la baronne qui est décédé il y a 2 jours aujourd'hui. La baronne qui est notre grande sœur, qui est le manager des artistes qui est dans l'événementiel. La baronne que tout le monde connaît, Lolita la baronne. J'aimerais ce matin, au nom de toute ma team, les abeilles et moi-même, lui souhaiter les sincères condoléances. Lui dire qu'elle soit forte aujourd'hui, qu'elle soit vraiment forte. C'est le chemin de tout le monde. Perdre un être cher, ce n'est pas facile, surtout le père de ses enfants et son mari. Qu'il parte et que le Seigneur l'accompagne. Car ce monsieur a beaucoup souffert dans la maladie et c'est d'une longue maladie. Et il a été, on va dire, libéré en quelque sorte. Parce que parfois tu te dis, au lieu de voir ta personne souffrir autant, peut-être c'est mieux que le Seigneur l'appelle. Et le Seigneur l'a appelé. C'est un moment très compliqué, c'est un moment dur. Mais qu'il aille et se repose en paix. Beaucoup de courage à toi, la baronne. Nous serons toujours là pour toi.
nous serons toujours là pour te soutenir. Dans les moments de quand il y a mort d'homme, parfois c'est bien de déposer les armes. Parce que la mort vient toujours nous rappeler que nous sommes que poussière et on retournera poussière. C'est le rappel de la mort. Voilà pourquoi la mort existe. Pour nous rappeler que nous sommes poussière et on retournera poussière. Aujourd'hui, c'est le réveillon. Personne ne connaît son jour. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres qui vont partir aujourd'hui. Mais ça sera le Seigneur qui aura décidé de les appeler. Alors, c'est pour dire que chacun a son jour, chacun a son moment. Une minute de silence. J'ai mon ami d'enfance qui m'appelle beaucoup. Ngoba, elle me dit là. Ben, mais c'est de ouais, gars. Non, ouais. Je suis chez Loïc. Ok, à tout à l'heure. Pardon, parce que la personne m'a beaucoup appelé. Voilà, comme je vous disais, une minute de silence pour le mari de la baronne. Vita la baronne, le père de ses enfants. Qu'il aille et se repose en paix. Le père de ses enfants. L'homme qui lui a donné les enfants. Lolita la baronne a des enfants. Et des grands-enfants. D'ailleurs, j'ai une photo avec sa fille. Mes sincères condoléances, la baronne. Sache que si tu organises une veillée, nous serons là. On sait comment aller. Les Watts organisent souvent leurs obsèques dans la stricte intimité. Parce que c'est comme ça que les Watts organisent. Doux repos à lui. Doux repos à monsieur, ton mari. Sois forte. Tu as beaucoup souffert à ses côtés parce que tu l'as accompagné. C'est ce qu'on appelle le mariage. Voilà ce qu'on appelle le mariage. Comme la baronne a fait. Elle a été auprès de son mari, l'accompagner jusqu'à dernier souffle qu'elle était là. Pas comme certaines. Maman, quand tu es chez les gens et que je vais réveiller son enfant, vous avez vu, non? Mieux chacun chez soi, maman. J'ai parlé fort. On me dit que je vais réveiller l'enfant. Je parle doucement, maman. Les gens. Quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson, non? Je vais parler doucement. Quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson, on dit que je vais réveiller l'enfant. Alors que je viens d'entrer, j'ai dormi dehors. Il n'y a pas de problème. Chacun sa maison, maman. Moi, elle finit vite là. Je porte mes choses. Je pars. Oui, c'est comme ça. Donc, vous voyez, en Afrique, si on est au bled, quelqu'un peut me dire ça. On a un bain. Respectons le code de bain. Il n'y a pas de problème. Comme je disais. C'est ça qu'on appelle le mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. La baronne, je te tire un coup de chapeau. Parce que tu étais là. Jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle que soutenir un homme. Pas comme certaines. Dès qu'elle voit son mari malade, c'est où elle commence à chercher le divorce pour fuir. Pour poum. Maintenant, oui,
ou bien quand elle voit son mari malade, c'est où elle fait encore les choses pour pousser le mari à dire. C'est où vous entendez souvent que certaines femmes ont été mariées au Watt. Et que quand le Watt, avant qu'il ne meure, il a donné l'héritage aux associations caritatives. Parce qu'il ne voit pas en quoi la femme l'a servi pendant sa maladie. L'accompagner. L'accompagnement, nous sommes en Europe. Ce n'est pas comme en Afrique. Tu as quelqu'un malade, c'est toi qui changes si tu changes les couches, tu donnes. Non, il y a des infirmiers. C'est ça qu'on dit que Mbeng est bien. Parce que il y a des personnes compétentes pour ça. On ne dort pas à l'hôpital ici. Que je suis venu habiter à l'hôpital. On n'habite pas à l'hôpital ici en Europe. Tu viens et tu repars. Quand c'est vraiment urgent, urgent que tu viens, il y a des salles ou des chambres fait pour des accompagnateurs quand la personne est en fin de vie, que accompagnateur que les derniers jours, on te met dans cette chambre-là et tu vis là-bas. C'est toujours à l'hôpital, mais tu vis comme un appartement. Donc, mes chères sœurs, même mes chers frères, vous qui avez des personnes malades autour de vous, accompagnez-les. Parce que même les mots, aller rendre visite à l'hôpital tous les jours, ou tous les deux jours, c'est très important. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est très important. Oui, la baronne, tu l'as fait. Et je te dis, beaucoup de courage. Sois fière de toi. Parce que je suis sûre que le père de tes enfants, ton mari, tu n'es pas, elle n'était pas divorcée. Sois fière de toi parce que tu as accompagné ton mari jusqu'au dernier jour. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Quelle que soit l'interprétation des gens du dehors, des personnes qui vont juger la vie des autres, j'aimerais passer le message aussi, profiter pour dire à certaines personnes, là, oui, effectivement, elle a respecté le sacrement du mariage. Parce que beaucoup vont à l'église se marier, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le sacrement du mariage. Et j'aimerais dire à toutes ces femmes qui soient de l'autre côté en face, ou pas, j'aimerais vous dire, une femme est née pour faire l'enfant avec un homme. Et ton enfant, c'est l'enfant que tu portes dans ton ventre et accouches. Que certaines femmes qui veulent se faire passer pour les hommes, qu'ils arrêtent de croire qu'ils ne voient pas leurs règles. Qu'ils aillent accoucher, si c'est possible, que de se faire passer comme s'ils étaient des hommes, alors qu'ils peuvent aussi accoucher l'enfant. Une femme ne peut pas prendre, soi-disant, parce que qu'on est comme un homme, je suis un boy, et puis, il n'a pas fait son enfant passer, compte qu'une autre femme va accoucher l'enfant, qui va dire que c'est son enfant. Je dis non. On se comprend. Je dis bien que on se comprend. Parce qu'il y a certains gars qui se comportent comme les hommes là. Que quand ils sont avec d'autres gars, ils disent que voilà la mère de mon enfant, celle-là va accoucher pour moi. Ça n'existe pas dans la culture africaine, même camerounaise. Que chaque fille qui voit ses cycles go accoucher. Parce que vous faites toujours comme ça. Hein? Vous faites tout comme ça que vous vous mettez pour dire que vous êtes des Joe. Vous prenez les gars. Vous mettez tout l'espoir. Demain, quand ça bolle,
Vous commencez à dire que l'enfant, c'est l'enfant, c'est toi qui as accouché. Tu es une femme. Tu es une femme. Même si tu veux, même si vous voulez faire n'importe quelle vie. Ceci veut dire que même si vous voulez avoir n'importe quelle vie, allez bonne vos mouna. Parce que ton mouna reste ton mouna. Quand ça boxe, c'est où tu vois. On s'est compris. Je ne vais pas entrer de plus de détails que ça. Beaucoup de courage à la baronne. On va partir sur le sujet. Petit 1, année 2023. Mes chers compatriotes, mes chers abonnés, sympathisants, des personnes qui m'apprécient et des personnes qui me détestent. Avis au couché. Tchaya, non. Avis au couché. Tchaya. Quand le mouna est là, il faut coder. Le mouna est là, il faut coder. Mouna de 27 ans. Mouna de 27 ans, il faut coder. Je te pose une question, Chou. Ouais. Tu sais ce qu'on appelle un koudjé? Non, c'est bon. C'est une recette. D'accord, donc continue de la recette après alors. C'est une recette au Cameroun. Quand on dit koudjé, c'est une appellation d'une recette que beaucoup de gens aiment. Certaines femmes aiment manger, aiment bien quand on les cuisine avec ça. Ouais. Donc. J'ai compris. Ok. Alors, on va aller sur l'année 2023. Je ne peux pas parler fort ici parce que, comme on dit, quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Tu chantes. Si la personne regarde le bikoussi, tu regardes aussi. Si c'est la PlayStation, tu écoutes aussi. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'on dit que chacun ait le chez-soi pour se faire. Il faut avoir le chez-soi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'année 2023. L'année 2023 a été une année très compliquée pour certaines personnes. Une année avec beaucoup de malheur et beaucoup de bonheur aussi pour certaines personnes. Oui. Beaucoup de malheur et beaucoup de bonheur pour certaines personnes. Alors, l'année 2023 a été une année où Dieu a mis beaucoup de personnes à l'épreuve. L'année 2023, le Seigneur a ouvert les yeux à beaucoup de gens, à nous tous. Et Dieu nous a tous mis à l'épreuve. Dieu a testé nos capacités de pouvoir supporter le tsunami. Le Seigneur a testé notre capacité de pouvoir supporter encore une fois de plus le tsunami. Le tsunami des détracteurs. Le tsunami des personnes qui nous détestent. Le tsunami. La rage des gens qui veulent nous voir tomber. Nous avons montré, nous avons prouvé que rien ne peut nous déstabiliser. Quand je dis nous, je parle de moi, de la personne de Fleur de Lille, de la reine mère que je suis. J'ai été harcelée. J'ai été confrontée. J'ai été trahie. Pas beaucoup. Et c'est ce que je vis depuis des années sur les réseaux sociaux. J'ai prouvé encore une fois de plus que malgré tout cela, je pisse dessus à grosses gouttes et que je pardonne et je demande aussi aux personnes que j'ai offensées au courant de l'année 2023, de me pardonner. Que ce soit ma famille, les connaissances, les inconnus, parfois, rien que le fait que tu es belle comme ça, ça offense d'autres personnes. Offenser quelqu'un ne veut pas forcément dire que tu as fait quelque chose de mal. Non. Parfois, tu es belle, rayonnante comme ça le matin.
Ça offense les frustrés. Directement, quelqu'un se sent offensé. La personne commence à te détester. La personne commence à te haïr. Pourquoi? Parce que tu as mis une belle perruque qui te va. Parce que tu t'es maquillé léger. Parce que tu es belle, tu es propre. Tu es entourée de ta famille. Tu es heureuse. Et ça te fait, ça les fait mal. J'aimerais vous dire, une femme heureuse, c'est celle qui est entourée de sa famille. Celle qui a la certitude, la conviction d'avoir des personnes qui l'aiment. Et j'ai la certitude, la conviction, l'amour pour lequel je ne vais jamais douter, c'est l'amour de ma mère. Maman Anna, je ne douterai jamais de son amour. Je ne douterai jamais de l'amour de mon fils. Voilà les personnes pour qui, s'ils me font un couac, je serai malheureuse. Et l'amour de mes abeilles, je ne douterai jamais de l'amour des personnes qui m'aiment genre, qui m'aiment sans rien attendre. Parce que durant l'année 2023, ma plus grosse souffrance n'a pas été du fait qu'on m'insulte sur les réseaux, n'a pas été du fait que les gens s'acharnent contre moi, non. L'année 2023 était une année compliquée pour moi parce que ma mère a passé la moitié, plus de la moitié de l'année à l'hôpital. Quand je regarde cette femme, je lui dois tout. La force qu'elle me donne quand je la regarde. Le courage qu'elle m'apporte. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais manqué de rien depuis que ma mère est en Europe. Ma mère est une source de bénédiction pour moi. Il y a des jours que je manque 10 euros, mais je suis heureuse. Alors qu'avant, je pouvais m'avoir le milliard, mais j'étais malheureuse. Je ne savais pas pourquoi j'étais malheureuse. Je prie Dieu de donner ce bonheur à toutes ces personnes qui ont encore leurs parents vivants. Je n'ai jamais froncé le visage quand elle m'appelle, enfin, des fois. Je peux vous dire la vérité. Être heureuse, être bien dans sa tête, dans sa peau, se sentir aimée, ce n'est pas forcément la présence d'un homme dans sa vie. Non. Il y a des hommes qui détruisent. Il y a des hommes, quand ils arrivent dans ta vie, tu vois que du noir. L'amour d'une mère est l'amour pour lequel on ne peut pas douter. Mais on peut douter de l'amour d'un homme autour de nous. Vous savez, la jalousie familiale est la jalousie la plus dangereuse et la plus dangereuse et la plus silencieuse. Parce que quand tu as quelqu'un autour de toi qui est un traître, qui est membre de ta propre famille, c'est un truc pour lequel tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à parler, parce que c'est silencieux. Ça se fait en douce, c'est comme si tu inventais, mais tu le ressens au plus profond de ta chair. Je vous demande à vous, vous qui me suivez, vous qui me regardez, de dire, d'être en harmonie avec vos parents, surtout la mère. Pourquoi la mère? Parce que c'est la mère qui porte. C'est la mère qui vit des souffrances. C'est la mère qui connaît la douleur. Pardon. Pour des personnes qui sont en désaccord avec leur mère, une mère ne peut pas manger son propre enfant. Une mère peut se faire détourner par d'autres membres de la famille. Une mère peut se faire manipuler, mais une mère ne peut pas haïr et souhaiter le malheur de son propre enfant. Si l'animal prend soin, l'animal défend ses petits animaux, pourquoi pas une mère? Ne doutez pas. Aimer une mère, ce n'est pas lui donner les millions.
Aimer une mère, c'est lui prouver cet amour en la rassurant, en apaisant. Parfois, on peut être en désaccord avec notre mère. Parfois, on peut même accepter, même quand une mère fait des erreurs, on peut même dire que non, valider, parce qu'on veut faire plaisir. Faisons toujours plaisir à nos mamans. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça prendra le temps que ça va me prendre. Mais je serai toujours, je ne vais jamais me dire, je suis fatiguée de m'occuper de ma mère. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la seule chose de bien vraiment de ma vie que je peux accomplir au point où si demain, elle n'est plus là, je ne vais pas regretter. Vous savez, quand une mère se lève le matin, elle te regarde et te dit, merci pour ce que tu fais pour moi. Tu es mon mari. C'est toi qui es tout pour moi. C'est touchant. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas imaginer le bonheur et les portes que ça ouvre. Je suis sûre que beaucoup de portes m'ont ouvert aujourd'hui. Parce que je suis, parce que je m'occupe de ma mère. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi elle a trop besoin de parler si elle s'occupe de sa mère? Non, c'est juste pour que vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup qu'à travers moi, prennent soin. Si ma mère fait caca là, je vais nettoyer. Je vais nettoyer, je ne vais pas commencer à dire que qui va le faire. Parce que tu ne le fais pas, c'est une obligation. Parce que quand une mère vieillit déjà, surtout dans la maladie, elle devient comme un bébé. Elle est, ça dit que tu, toi, l'enfant, tu prends sa place, la place qu'elle a eue quand tu étais bébé. Elle changeait tes couches, elle trempait, elle lavait, elle faisait ceci. Donc, quand elle a l'âge où elle souffre là, c'est à toi de le faire. Et je ne vais pas me mentir. Même la guérison est psychologique. Même la guérison est psychologique. Quand tu as une personne autour de toi, quand tu as une mère autour de toi, si elle est malade et que tu es en désaccord même avec tes frères, avec certains membres de la famille qu'elle apprécie, tu vas beau lui donner n'importe quel médicament, elle ne va pas guérir. Elle va tout te dire qu'elle a mal. Elle va tout te dire qu'elle ne se sent pas bien. Alors que si moralement, psychologiquement, elle sait que ça va, même si c'est l'eau sans rien dedans, tu donnes l'eau simple, tu dis que j'ai mis le médicament, elle va te dire que ça l'a soigné. On doit rendre l'amour que nos parents, on doit les rendre cet amour. Et c'est une protection. Pourquoi je me lève souvent, je tape la poitrine? Je dis que mes ennemis tomberont toujours comme des petits pains. Parce que je suis sûre que la protection, ce n'est pas aller chez les marabouts. Ce n'est pas aller dire qu'on se protège de gauche à droite, on fait ceci de gauche à droite. La protection. C'est nos protections passent par nos parents. Quand un parent a un cœur clair sur toi, même toi son enfant, ta vie donne. Ta vie donne. Je tape la poitrine parce que c'est que je suis, ça dit que ma mère est une grosse barrière contre les méchants pour moi. Vous n'avez jamais remarqué que certaines personnes, quand leurs parents ne sont plus en vie, c'est où ils souffrent plus. Alors que quand leurs parents étaient en vie, ils ne trouvaient pas, ils ne considéraient pas. Maintenant, quand leurs parents ne sont plus là, c'est où tu entends toujours que, ouais, quand ma mère était, pourquoi beaucoup de personnes pleurent leurs parents quand ils ne sont plus là? Ces personnes pleurent leurs parents parce que c'est le regret. C'est le regret de savoir que quand ma mère était en vie, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà pourquoi les pleurs. Sinon, quand tu t'es occupé d'un parent, quand tu as fait ce qu'il faut, honore ton père et ta mère.
quand tu as fait ce qu'il faut, le jour que ça ne va pas dans ta vie, nous sommes des Bantous. Le jour que tu trouves que tu ne dors pas bien, même les Blancs le font. Tout le monde a une coutume, tout le monde a des traditions. Vous voyez ici, en novembre, on vous dit que la fête de Toussaint. Tu vois les Ouattes en train de laver les tombes de leurs parents, alors qu'ils vont toujours. Tu vois quelqu'un en train de prendre le café avec sa mère. Quelqu'un va s'asseoir au cimetière. Il dit que je suis venu prendre un café avec ma mère. Je suis venu dîner avec ma mère. Il mange là. Pourquoi nous, on ne doit pas verser le maïs écrasé avec l'huile rouge quand nos parents ne sont pas là? Pourquoi on doit seulement aller une fois par an pour nettoyer la tombe? Pourquoi on doit rester ici, laisser que les ombres, les herbes poussent sur la tombe de nos parents? Et tu entends, je suis allé faire la tombe de mes parents. Mais tu le fais d'abord pour toi. Tu ne fais pas la tombe de tes parents pour les autres. On peut comprendre que tu n'es pas au pays. On peut comprendre que tu es en Europe. Mais quand tu es en Europe, tu peux envoyer, je peux te demander tout de suite de te taire, même si je suis chez toi. Et ça ne chauffe pas. Tu regardes ton match, quand il parle, tu dis que ton enfant dort. Je te dis que peut-être que tu te, mais tu te la fermes, s'il te plaît. Tu peux même crier que le but est entré, je ne veux pas entendre. Tu attends. Ah. Donc, même pour ceux qui sont ici en Europe, quand on dit que l'amour d'un parent, il y a beaucoup qui sont ici en Europe qui laissent la tombe de leurs parents, les herbes, le soussongo poussent jusqu'à ça, à 5 mètres. Tu entends, ça fait 3 ans, je n'ai pas été au pays, mais je vais aller la 4e année nettoyer la tombe de mes parents. Excusez-moi mes chers frères et sœurs, mais même si vous n'êtes pas au pays, vous pouvez payer quelqu'un, même un Bamenda, il part Tchapia de temps en temps, il y a des personnes qui nettoient. Tu peux payer n'importe qui peut nettoyer, ça ne te coûte même pas 10 000, juste désherber. D'aller même tous les mois laver, c'est comme une location. Ça dit que pour toi cet argent, c'est comme si tu payais le loyer à ta mère, c'est comme si tu envoyais la ration à ta mère tous les mois. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre après un an, après 3 ans, après 4 ans, pour aller nettoyer la tombe, pour faire le matu vu aux yeux des gens ou bien aux yeux de la famille, tu le fais pour toi. Alors si tu ne t'occupes pas aujourd'hui, ça voudrait dire que tu ne t'occupais même pas du vivant de tes parents. Oui, tu peux envoyer quelqu'un le faire. Ça ne te coûte rien. L'argent qu'on sort ici tous les jours, on va boire le vin, on monte, on descend. Ça ne te coûte rien d'aller, d'être ici. Même si tu ne peux pas, même si tu n'as pas les papiers, même si tu ne peux pas encore aller au pays, ça ne te coûte rien de prendre à charge une personne au pays pour dire que tu nettoies la tombe de mes parents tous les 2 mois. Tu vas faire un tour, tu m'envoies les photos. Ça ne vous coûte rien. Tu nettoies comme ça. Maintenant, le jour de la nourriture des parents, c'est toi qui écrase, qui donne la chèvre. C'est toi. Il y a des personnes qui sont souvent malades ici. Leur vie ne donne pas. Quoi qu'ils fassent, des malheurs sur les malheurs, les malheurs sur les malheurs. Mais dès qu'ils arrivent au pays, ils vont sur la tombe des parents, s'incliner pour demander le pardon. Pour dire, papa ou maman, je ne t'ai pas abandonné. Si je ne viens pas, c'est parce que je suis loin. Si je ne viens pas te voir, c'est parce que j'ai des enfants qui sont à bas âge, qui vont à l'école. Je travaille beaucoup. Quel que soit le pardon, quel que soit ce que je vous ai fait, mes chers parents, je suis près de vous. J'ai une charge, j'ai un mari. Parce que ce que tu peux faire, ne dis pas toujours que tes frères qui sont là-bas peuvent faire. Tes frères, c'est tes frères. Toi, c'est toi. Pourquoi tu vas dire que oui, je ne suis pas seule, elle a d'autres enfants? Non, elle a d'autres enfants, mais c'est toi peut-être le leader de cette famille. C'est toi peut-être, c'est peut-être sur toi que la mère mettait plus le cœur. Pour dire que tu ne peux jamais m'abandonner dans la forêt. Ce que les autres font ne sera jamais ce que tu as fait. Jamais. Ce que les autres font ne sera jamais ce que tu as fait. Ton maïs, ta cérémonie que tu vas faire autour de la tombe, tu vas beau envoyer n'importe qui faire cette cérémonie. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais si tu n'as pas des raisons valables
qui t'empêche d'aller au pays, qui t'empêche d'aller t'incliner près de tes parents, près de ton mari, près de la personne qui t'est chère. Donc, c'était pour vous dire, si vous êtes loin, il y a des personnes qui ont perdu leurs parents, qui n'avaient pas de papier pour aller au pays. Mais dès lors, ils ont eu leur papier. Ils sont allés faire le deuil. Quand je dis faire le deuil, c'est-à-dire descendre le deuil en pleurant vrai. La distance. Quand Elvis Kemayo chante que « Maman, Mochumba, maman, maman, maman », il pleure sa mère parce qu'il était loin. Parce qu'il n'a pas pu faire certaines choses, parce que la distance, le kaolo, tous les inconvénients de la vie ont fait qu'il pleure comme ça. Donc nous sommes les Bantous. Arrêtons de dire que parce qu'on vit en Bé, parce que nous sommes en Europe, qu'on ne peut pas avoir certains comportements. Non, nous sommes en Europe, c'est vrai. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, leurs papas, qui n'ont pas pu mettre les pieds. Qu'après 10 ans, ils sont allés, ils ont descendu la cour du deuil. Ils ont coulé les larmes, ils ont pleuré. Un nouveau deuil de vrai. Nous sommes les Bantous. Les Blancs brûlent, incinèrent et rentrent avec les cendres chez eux. Ils posent comme ça. Le Wat pose comme ça. C'est la cendre de son mari, de sa mère. Tu entends que c'est. Tu vois, c'est les cendres. Les cendres, c'est posé là. Ils parlent sur ça comme nous. Ce n'est pas la sorcellerie. Les morts ne sont pas morts. Et je peux vous dire aujourd'hui, qu'il y a des personnes même qui ont fini les études, les grandes études, ne trouvent pas de travail. Ils trouvent toujours les intérims là, que 3 mois ça finit, 4 mois ça finit. Ils ne trouvent pas le travail. Mais dès lors, ils vont sur la tombe de leurs parents, disent que papa, je suis allé à l'école comme tu m'as dit. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai fait la formation. Je ne trouve pas le travail. Même la femme qui me respecte, je ne trouve pas. Je trouve une femme seulement qui me tape, qui me crie fort. J'ai tout, mais je suis malheureux. Oui, j'ai tout, mais je suis malheureux. Je trouve toutes les femmes, les jantras. Je trouve que les jantras qui arrivent et mangent pour eux, ils fuient. Je n'ai rien, c'est dur. Ça dit que dehors, on voit que j'ai les moyens. Mais dans la vraie vie, je n'ai rien réalisé. Parce que le parent, dans son cœur, n'était pas peut-être content de toi de quelque chose. Quand tu pars, tu parles comme ça. Tu rentres, non. Tes portes s'ouvrent, tu ne comprends plus rien. C'est comme ça qu'on commence à t'appeler que le travail est déjà là. Tu as le travail. On commence à marcher derrière toi pour le travail. En Afrique, le parent n'a jamais tort. Le parent a toujours raison. Arrêtez vos histoires des Wat là. Dans la culture africaine, le parent n'a jamais tort. Le parent a toujours raison. Vous n'avez jamais remarqué que parfois un homme prend une femme, il présente à sa famille. Quand la mère dit niette, le mariage là sera toujours balançoire. Ça sera toujours un jar. Ça ne va jamais donner. Tu seras toujours malheureux parce que tu ne peux pas aller. Un homme ou une femme ne peut pas aller en mariage sans l'accord de sa mère, la personne qui t'a accouché. Quand ta mère te dit que. Quand la mère refuse une femme, tu peux donner le million, elle ne va jamais accepter. Vous n'avez jamais remarqué. Quand elle vient chez toi, elle est pressée de rentrer. Ou bien elle cherche les prétextes. Elle dit que la femme la voulait la taper. Parce qu'elle déteste. Oui, mais je ne veux pas par là dire qu'on va toujours vivre selon la volonté de nos parents. Une femme, une maman peut ne pas aimer la femme qu'un fils lui présente. Mais c'est à ce fils de convaincre la maman. Pour que tu aimes, c'est à toi, l'homme, de convaincre ta mère pour qu'elle accepte ta femme. Parce qu'une mère a un cœur. Quand tu es un homme, tu ne peux pas te plaindre à ta mère. Tu dis que maman, la femme là m'a fait ci, elle m'a fait ça. Quand elle entre, parce qu'il y a des hommes qui font le Congo ça sur leur femme. Quand elle entre, tu passes le temps à faire le Congo ça sur ta femme. À ta mère,
Comment elle va aimer? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle commence à jouer l'hypocrisie. C'est où tu entends que ma belle-mère ne m'aime pas. Elle ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que son fils a commencé à se plaindre de toi. Que tu es une mauvaise personne. Quand tu as commencé à parler comme ça à ta mère, que ta femme n'est pas une bonne femme. Même si demain tu lui reviens, dis que non, elle est trop bien. La mère, elle retient seulement que tu as dit que elle ne veut plus rien savoir. Oui. Même si tu dis qu'elle est d'une bonne famille. Oh. Maman, c'est elle qui paye le loyer. Maman, c'est elle qui fait ceci. Elle m'a aidé. Elle m'a fait ci. La mère retient seulement le mauvais que tu avais dit. C'est où tu vois que un homme est ici en bain. Il a encore une autre femme au pays. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que finalement, il a dit à sa mère que tout va alors, celle-là qui sera ta femme. C'est où tu vois. Comme ces hommes-là qui vivent ici sont tellement hypocrites et mauvais. Au début, il dit à sa mère que non, je ne veux pas, je ne veux pas. Après, il commence à accepter. Ok, maman, mais elle sera seulement ta femme du village. Hein. Elle sera seulement ta femme de là-bas. Hein. Je ne veux même pas que, je ne veux même pas que, ma. Il faut voir. Il faut voir. Même si c'est une de ces villageoises que vous ne pouvez pas imaginer. Quand la mère elle a signé que c'est celle-là, c'est elle qui pas payé même. Ça dit que c'est elle qui pas maintenant donné la ration à la fille en cachet. Elle pas lui donné, elle dépanne. C'est elle qui lui dit que mon fils aime ceci. Vous voyez les mamans là, c'est comme ça. Après pour finir, l'enfant fait quoi? Il tombe dans le piège. C'est où tu entends maintenant qu'il est au pays maintenant, il a enceinté une fille là-bas. Au début, il ne voulait pas. Mais pour l'amour de ça, pour l'amour, pour que sa mère lui colle la paix, il a dit oui. Et les mamans là qui sont au pays, et passent leur temps à forcer, à aller doter les femmes sans la vie. Je vais vous dire, vous les femmes que vous êtes dans les mariages là, ici en Europe avec les hommes, même si des fois vous découvrez que ton mari a fait ceci au pays, ma, passe dessus. Tu comprends, non? Ne laisse pas ton mariage à cause de ça. Parce que certaines mamans, surtout du coup là, c'est elle, c'est-à-dire quand son enfant à côté, quand son enfant est là, que la fille est là, tu vois comment le gars ça le tension, il ne veut pas. Il dit à sa mère que maman, c'est quoi? Laisse-moi tranquille, pourquoi tu veux me tuer? Sa mère dit que ah, ça veut dire que quoi? Hein, ça va, ne sois alors, tu pars. Quand, pour finir, l'enfant de truc commence à accepter. Il commence à accepter, voilà. Après, vous entendez, c'est qu'il a déjà trois enfants sur une fille là-bas au pays. Ce n'est pas qu'il appelle même souvent la fille. Hein. C'est sa mère qui met la pression que tu n'as pas besoin de donner quelque chose à la fille. C'est moi qui vais rationner. Elle part là-bas rationner. Elle force, le forcing. Et les filles qui acceptent aussi ça. Arrêtez d'accepter certaines choses. Parce que vous serez tout malheureuse. Quand un homme ne t'aime pas, tu vas beau tout faire, il ne va jamais t'aimer. Et c'est vous que les belles mères forcent dans les marais, elles mettent tout l'espoir. Elles comptent que son héritier sortira que de vous. C'est vous que quand pour finir, quand vous avez détruit le mariage ici, quand vous avez détruit le mariage en main, que le gars décide de vous faire venir, c'est vous qui venez monter le voirat, la villageoise qu'on avait ramassée au champ. Arrivé ici, c'est où tu vois sa beauté. C'est où tu vois comment elle parle fort. C'est où tu comprends que c'est une grosse villageoise. Et surtout, c'est où tu entends l'homme dire à sa mère que viens la sortir de chez moi. Viens m'enlever ce que tu as mis là. Et si tu vois certaines familles en désaccord, tu vois qu'un homme ne parle plus à sa mère. C'est où tu entends le gars dire à sa mère que viens m'enlever ce que tu m'as donné là. Voilà ça qui va me finir en bain. Elle sort avec mon ami. Quand tu as même dit à la mère qu'elle arrive en bain, c'est elle qui parle de moi. C'est elle qui, maman, toi qui l'as dotée, elle m'a parlé de toi ici. Il faut voir les mamans là. Ouais, il faut causer avec elle. Ouais, pardon, laisse. Je vais arranger, je vais l'appeler. Tu vois comment une mère souffre dans le mari alors qu'elle a fait sa vie. Elle souffre que l'angala l'insulte même. Elle est tout derrière, pourquoi? L'amour n'est pas forcé. Quand un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. C'est ce que je voulais dire. Que l'amour d'une mère, c'est sacré. Mais on ne peut pas faire aussi n'importe quoi pour le plaisir
à nos parents. Sachons aussi leur dire non, en leur prouvant qu'ils n'ont pas forcément raison, sans tout vouloir leur dire les mauvaises paroles, sans tout vouloir leur dire que... Chou, ferme un peu la porte de la chambre, de la deuxième chambre. S'il te plaît, je vais dire quelque chose. Je vais dire un truc, je veux que tu fermes la porte. Je veux pas que mamie elle entend. Merci. Je disais que protéger une mère aussi, c'est savoir éviter. Éviter qu'elle ait certaines informations qui l'affaiblit. Oui. Parce que certaines mamans tombent souvent malades. Certaines mamans meurent vite. Ce n'est pas la maladie qui la tue. Mais c'est des informations. C'est le désaccord que les gens ont dans la famille. Aujourd'hui, je suis incapable. C'est-à-dire que ma mère, elle a un téléphone sous mon contrôle. Elle a un téléphone sous mon contrôle. C'est moi qui contrôle, qui appelle et qui n'appelle pas. Oui. Et quand on appelle, je peux décider de passer le téléphone ou de ne pas lui passer le téléphone. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début, je laissais qu'on l'appelle. Mais c'était toujours les mauvaises nouvelles du Cameroun. Toujours les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire quand quelqu'un appelle, c'est pour dire que tel que tu connaissais Edaï, il n'y a jamais eu une conversation sans annoncer un deuil ou bien une coutume. Une personne est malade et dans l'incapacité d'aller au Cameroun. On ne peut pas tout le temps lui dire que donc autant de choses. C'est où j'ai décidé. Parce qu'il n'y a jamais eu l'appel pour dire que ma, c'était pour te saluer. Comment tu vas? C'est toujours d'abord comment tu vas. Mais après, ça finit toujours par les mauvaises nouvelles. Mais elle n'a plus. Ce n'est plus le moment où on va lui donner tout le temps les mauvaises nouvelles. À un moment, il y en a marre. J'ai décidé de récupérer le téléphone et de le mettre sous mon contrôle. Pourquoi? Vous savez, Maa, c'est une femme qui a ses champs et qui a toujours cultivé. Je ne vous ai jamais caché que nous, on a des champs et on a toujours cultivé. Quand j'ai décidé de prendre le téléphone, c'est parce qu'une de ses belles filles avait appelé un jour et lui a dit que ton fils a vendu ton champ jusqu'à arriver. Donc, expliquer les limites des champs qu'on a vendu son champ. J'ai entendu comment maman a dit que Afinka, mais j'ai pris, j'ai dit à la fille que mais s'il y a un truc comme ça, il faut me dire pourquoi tu lui dis qu'on a vendu son champ. Et c'est comme ça que j'ai pris le téléphone. J'ai dit à Maa que comme les gens c'est là-bas, Vembanga, à Pinamboko, j'ai dit que à Maa que non, on n'a pas vendu le champ. Les Amba sont entrés au champ. Les anglophones, les Amba Boys sont entrés au champ et ils ont commencé à enlever les gens. Donc, on ne cultive plus là-bas parce qu'il y a la guerre. On a vendu le champ à personne, c'est là. Alors que moi, je mentais. Alors que son fils a vendu tous ses champs. Vous pouvez accepter que vous êtes encore vivant. Nos mamans, même si on les donne tout l'or, ça ne remplace pas son champ. Même si tu dis que je vais acheter un autre champ, je te donne. Elle ne peut pas accepter. Donc, là où elle est, elle sait qu'elle a le champ. Donc, quand je vais l'amener au cours,
Je vais lui dire que bon, tu n'as pas le pied pour marcher. Il faut toujours. Donc, je suis obligée toujours de jongler. De dire que non. Là maintenant, elle a été opérée, vous connaissez. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ah, pourquoi elle n'est pas pour payer? Parce que ici, quand quelqu'un est malade, la personne est sous le contrôle de son médecin. Tant que le médecin n'a pas dit que tu peux bouger, tu ne peux pas bouger, elle n'est plus sur ma responsabilité. Donc aujourd'hui, sa plaie se cicatrise et je projette l'amener peut-être en avril ou en mars au pays parce que là, elle peut prendre un avion, elle peut s'asseoir. Mais quand je vais arriver au pays avec elle, il va falloir que les gens qui viennent la voir évitent les mauvaises nouvelles. Parce que quand tu as le diabète, tu es exposé à tout. Une mauvaise nouvelle peut te donner l'AVC. Je suis obligée de la protéger. Parce que dans d'autres familles, j'aurais pu lui dire que oh, ton fils que tu supportes toujours là a vendu ton champ. Mais je ne peux pas lui dire. Parce que si je le dis, c'est que c'est moi qui vais la tuer. C'est pour ça que je ne dis pas. Avant, j'étais un peu en colère contre elle. Quand son fils le plus aimé, le plus chuchoté, quand son fils, quand je lui ai dit, un jour j'étais fâché, je lui ai dit que mais les clés de ma maison que tu as donné à ton fils là, pourquoi l'avoir donné les clés de ma maison? Tu vas aller l'enlever chez moi. Après, j'ai compris que les mots comme ça, quand tu ne t'entends pas, quand tu es en désaccord avec tes frères, elle est sur ma responsabilité. Quand elle tombe, ça, c'est moi qui suis là. Ils sont là, ils s'en foutent, non. Ils disent, c'est Mankanda, c'est tout. Donc, pour finir, c'est moi qui lui dis aujourd'hui que oh, même son petit-fils, là, je ne peux pas lui tel qu'ils ne l'ont plus là-bas, à la piole. Je criais trop. Donc, il y a beaucoup de choses que, pour protéger la mère, c'est mieux de ne pas lui dire. Je parle aussi à vous qui avez vos parents et que moindre petit truc, vous vous êtes déjà plaint. Moindre petit truc, vous avez déjà dit. Quand une mère aime son enfant, tu vas beau dire qu'il a tout vendu. Elle va tout le yam. Elle va tout trouver les raisons que non. C'est parce qu'il avait faim. C'est parce que toi aussi, il faut l'aider. Tu vas aider combien de fois? La même personne. Tu vas aider combien de fois? Donc, tu vas beau aider la mère quand son cœur est sur un enfant. Hein, tu vas beau dire quoi? Elle va toujours trouver les raisons. J'ai dit que surtout pas. Oui, surtout pas lui annoncer les pires choses. Parce qu'une mère, son champ, c'est son héritage. Son champ, peut-être vous croyez que avoir le champ veut dire qu'elle va aller cultiver. Non, elle veut seulement savoir que elle a son champ tel endroit. Tu vas beau lui dire que je t'achète même des hectares ailleurs. Ce n'est pas comme le champ de l'enfance où vous partez chercher le manioc, chercher le plantain, là où ça vous a nourri. Ce n'est pas pareil. Elle, là où elle s'assoit souvent, elle pense souvent même au champ que son père lui avait donné, qui est même au village à Foucault même. Elle dit que oui, mon champ qui est à tel endroit là, qui cultive là-bas maintenant? Je lui dis que non, c'est la femme de ton fils qui cultive là-bas. Et la dernière fois, il y a eu les problèmes. Parce que son grand frère a dit que, m'a dit à moi, qu'il a trouvé son fils à son champ du village qui voulait déjà vendre. Son grand frère a mis le job. Son petit frère a dit que le champ de ma soeur, ici à Foukoui, tu ne peux pas, c'est son père qui lui a donné. Elle a dit, oui, son petit frère a mis le job. A dit qu'il gâte, que tu viens ici au village, tu as fini de vendre chez les anglophones là-bas. Tu vas arriver ici dans le village, tu vas vendre le champ de ma soeur quand je suis vivant. Tu ne peux pas. Oui, que le champ de ma soeur que son père lui avait donné. Il a mis les remèdes là-bas. Oh, il a dit que va vendre là-bas chez les anglophones, va faire ce que tu veux. Mais ici, tu ne peux pas toucher. Oui. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Ils sont tous ensemble, ils boivent le mantango ensemble. Il a mis le fétiche là-bas, le champ de ma soeur.
Donc, comme elle est partie en Europe, vous allez rester vendre toutes ces choses. Son champ que son père lui a donné, ça dépasse 1 milliard. Ce n'est pas une valeur financière. Parce que les gens, quand ils voient seulement certaines personnes, se moquent de certaines personnes, que oh, la mère de tel a le champ. Non, c'est une valeur sentimentale. Oui. Donc, c'était pour vous dire que dans les familles, il y a les cas. Il y a les cas. Mais, protégeons nos parents. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ne pas dire n'importe quoi. Ne pas toujours faire les discussions de désaccord avec les autres personnes avec qui on ne s'entend pas. On peut avoir un frère qu'on ne s'entend pas. Chacun prend sa route. Je suis désolée. Même si c'est la famille de sang, chacun prend sa route. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as le frère même père, mais vous ne vous entendez pas. C'est comme les amis ici en Europe. Ça vient, ça part. Chacun prend sa route. Ce qui va encore vous faire vous rencontrer, c'est quand il y aura un décès dans la famille. Vous vous retrouvez là-bas. Le reste, chacun prend sa route. Je suis désolée, ce n'est pas obligé. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, j'ai fini la première partie, le petit 1 qui concernait le discours 2024 et 2023 et tout ce que j'ai vécu et tout. Et comme je vous disais, je vous remercie toujours d'être là, d'être un soutien exceptionnel pour moi. Je prends le petit 2. Leader et team. Une partie qui est vraiment importante pour moi. Leader et team. Je suis Fleur de Lys. Je suis la MAF. J'ai ma page. J'ai mes fans. J'ai des personnes qui me suivent, qui m'apprécient. Et j'ai des personnes aussi qui ne m'apprécient pas, mais qui sont incapables de bouger même une seconde quand je suis en direct. Oui, je vais parler de nous les leaders. Nous les leaders, il s'agit des leaders de toutes les teams. De mes collègues, blogueuses, influenceurs, impacteurs et moi-même. Je vais prendre le cas de ma copine et moi. Ma copine qui est compresseur Maléba, elle compresseur avec qui j'ai eu des désaccords pendant beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la paix. Nous sommes en paix. Et je peux vous dire aujourd'hui, la paix est quelque chose de bien. La paix est d'abord personnelle et intérieure. Avant de faire la paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Et je suis en paix avec moi-même. Et je suis en paix avec ma copine qui est compresseur. Et je demande à tous les leaders des teams. Je vous demande aujourd'hui, et je le dis de tout cœur, je vais entrer dans la nouvelle année avec un cœur apaisé. Je voulais vous dire aujourd'hui, si je vous ai offensé hier, si je vous ai offensé en 2023, sachez que nous entrons dans 2024 et je voulais vous présenter mes excuses de tout ce que j'ai pu faire de mal vous offensant en 2023. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses et je vous dis, j'aimerais entrer dans l'année 2024 avec la paix avec vous tous. Être en paix ne voudrait pas dire qu'on se fréquente. Être en paix veut dire que chacun respecte ce que l'autre fait. Que chacun respecte l'opinion des autres et que chacun prenne son chemin et fait ce qu'il a envie de faire sur les réseaux. Que le « aide-moi à détester », ça n'a jamais payé à personne. C'est nous qui sommes derrière les réseaux. C'est nous qui sommes devant. C'est nous qui sommes leaders.
On ne se dispute rien. Le leadership que vous voyez là, ça se mérite. Et on travaille pour être leader. On ne s'assoit pas parce qu'on fait 100 directs par jour et croit qu'on est leader. Être leader, c'est aussi avoir un discours de paix, d'apaisement. C'est ça qu'on appelle leader. Et c'est ça que vous pouvez aussi voir que politiciens, les gens sont dans la politique. Comme je vous disais, je suis en paix avec ma copine compresseur. Mais il y a eu ce qu'on appelle le malentendu. Le malentendu est le fait que j'ai donné mon point de vue sur un sujet d'actualité. Un sujet n'appartient pas à quelqu'un. Quand il y a un sujet, en tant que les acteurs des réseaux sociaux, nous avons tous le droit de donner des avis différents. Et j'ai donné cet avis. Et cet avis a été mal pris par ma copine. Vous savez, parfois, nous qui sommes en train de faire le direct, on ne se rend pas compte des répercussions, on ne se rend pas compte de ce qui peut se passer quand on avance certains mots, quand on prend certaines positions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mes nièces d'hier, ceux qui disaient qu'ils sont mes nièces, ont commencé à s'acharner sur moi, leur tante. Et les abeilles, qui sont mes enfants, qui disaient que ma copine, c'est leur tante, ils ont commencé à s'acharner sur elle, à faire des posts. Parce que c'est nous les leaders, nous sommes devant, c'est nous qui donnons souvent le ton, même sans rien dire, même un comportement peut faire que les gens ils aient certaines appréhensions, que les gens aient certaines interpellations. Je voulais vous dire ce matin un mot que j'ai écouté chez une blogueuse et j'aimerais reprendre ces mots pour que tout soit clair et net à l'entrée de 2023. Que tout soit clair et net. Que personne ne se sente plus obligé de quoi que ce soit. Je suis en paix avec Compresseur et nous sommes aujourd'hui des sœurs et on ne va plus retourner dans ce que nous on faisait avant. Que ce soit nos fans, que ce soit des personnes qui nous suivent, on ne peut pas parler de manipulation. Parce que d'après tout ça, c'est nous qui sommes derrière. Nous sommes les leaders. Et j'aimerais vous dire, depuis que Compresseur a fait le direct, qu'il y a eu ce boira que vous avez fait, elle et moi, on a eu à discuter ensemble. Et je vais vous dire aujourd'hui, la paix avec Compresseur est une paix acceptée par sa mère qui l'a mise au monde. C'est-à-dire que par Marie-Josée qui l'a accouchée, elle a prié. Je vous parle de prière. Elle a donné sa bouche de maman de prière sur cette paix pour nous bénir, pour accepter. Donc quand une mère a dit déjà, personne derrière ne peut venir changer cela. Quand une mère a déjà dit, vous, nos fans, vous, les personnes qui nous suivez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est votre problème. C'est votre choix. Je vais dire aux abeilles, je ne vous demande pas de prendre Compresseur pour faire d'elle votre star. Mais je vous demande de la respecter. Je vous demande de la respecter. La respecter, c'est me respecter. C'est-à-dire, nous sommes deux stars et chacune a son blog. Et je demande qu'il y ait le respect. Je ne vous ai jamais dit prenez que prenez Compresseur pour faire d'elle votre star. C'est moi votre star. Et je vais reprendre ce qu'une blogueuse a dit. Aimez Compresseur parce qu'elle fait ce qui vous plaît. Que la TKC, certains TKC même par rapport à ce que je fais qui les plaît, n'aimez pas Compresseur par rapport à moi. C'est-à-dire que vous allez partir dire que j'aime Compresseur par aimer Compresseur parce qu'elle fait ce qui vous plaît. Parce que dans un direct, elle a parlé de ce qui vous intéresse. C'est là où vous lui donnez votre amour. C'est là où vous lui donnez vos étoiles. C'est là où vous lui envoyez les cœurs.
par rapport à ce qu'elle fait et non par rapport à moi. Je m'explique. Nous sommes deux teams. Vous avez mis que compresseur et mafo, c'est une personne. Non, ce n'est pas une personne, c'est deux personnes différentes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez attendre que une, à chacune ses fans. Si j'ai d'autres fans de la TKC qui m'apprécient, c'est une très bonne chose. Si j'ai d'autres abeilles qui apprécient compresseur, c'est une très bonne chose. Mais ne me dites pas que je n'ai pas fait ceci à compresseur par rapport à ma faux. C'est ça qui a ramené le désaccord, tout le boira qu'il y a eu. Parce que vous avez dit dans votre tête que Flore, Mafo et compresseur, c'est une seule personne. Non, ce n'est pas une seule personne. C'est deux personnes différentes que chacune peut réfléchir à sa manière. Chacune a ses gens qu'elle aime, qu'elle apprécie sur Facebook. Compresseur peut apprécier une personne et que moi, je n'apprécie pas. Compresseur peut apprécier quelqu'un et moi, je n'apprécie pas la personne. Je ne suis pas obligée d'apprécier une personne que ma copine apprécie. Elle n'est pas obligée d'apprécier une personne que moi j'apprécie. Sachez faire la part des choses. Sachez distinguer les choses. Donc, aujourd'hui, chaque star est unique à son genre. Et chacune a d'abord ses followers. Les followers ne viennent pas seulement quand il y a les désaccords. Les followers ne viennent pas seulement quand il y a des problèmes. Les followers, c'est ceux qui nous soutiennent dans le malheur et le bonheur, et c'est tous les jours. On ne crée pas un profil, on ne devient pas follower de quelqu'un parce qu'il y a un désaccord, non. On ne devient pas follower parce qu'on attendait depuis que cette relation soit brisée directement, pas créer les trucs directement, on commence à lancer les appels. Quand je fais les directs, souvent je dis que j'ouvre la ligne. Parfois même, il n'y a pas les gens qui appellent jusqu'à ce que je raccroche. Dès qu'il y a le désaccord, je comprends ça parce qu'il y a un malentendu. C'est où on voit subitement les followers qui sortent de partout et qui commencent à appeler pour parler mal de moi, pour me lyncher. Comme si chacun, comme s'ils attendaient seulement une petite occasion. C'est-à-dire qu'à la première occasion de malentendu. D'un malentendu. Donc, sachez que aujourd'hui, chacun a ses followers. Donnez-moi parce que vous voulez me donner. Donnez à compresseur parce que vous avez envie de le donner. Ne donnez pas parce que Flore est en paix avec compresseur, on va aller là-bas. Je ne mendie pas l'amour des fans de compresseur. Et compresseur ne mendie pas les abeilles. L'amour des abeilles. L'amour, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ce n'est pas celui qui commente beaucoup qui aime forcément sa star. Si quelqu'un vous dit que c'est la personne qui est active dans les commentaires qui est forcément la personne qui vous aime, la personne ment. Il y a des personnes qui ne commentent jamais. Les personnes qui ne disent jamais rien. Mais qui agissent quand il y a des choses importantes. Je vais vous prendre un petit exemple. Sur les réseaux, que ce soit compresseur ou moi, nous, on ne retournera plus jamais dans quoi que ce soit. Ce n'est pas la peur et nous ne vivons pas par rapport aux gens. Notre paix aujourd'hui, c'est une paix qui, si c'est, nous sommes en désaccord, la honte sera pour nous et nos familles d'abord. Donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est comme un mariage. Dans le bonheur, dans le malheur, nous sommes ensemble, elle et moi, c'est une place. Mais vous, les fans, à chacune et à chacun sa star. Si compresseur entre et fait un direct, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas la lyncher, l'insulter. Est-ce que c'est elle votre star? Non, c'est moi, non. Donc vous n'avez pas besoin d'aller commencer à faire des posts pour l'insulter, non. Vous n'êtes pas d'accord avec elle. Vous restez chez vous. Vous restez chez vous. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens connectés parce qu'ils attendent l'échec. Mais j'aimerais vous dire que la honte va vous prendre vous-même. Nous ne vivons plus par rapport à qui que ce soit.
Nous vivons pour nous-mêmes. Sachez faire la part des choses. Nous gérons notre amitié hors Facebook, mais devant les réseaux. C'est-à-dire que nous gérons mon amitié avec Compressor, se gère dans la vie réelle. Mais devant vous les followers, chacune a ses fans. Et chaque fan a sa star. Nous sommes des leaders. On doit savoir mettre du vin. On doit savoir mettre un peu de l'eau dans notre vin. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même si on est fâché de quelqu'un. Il y a des choses qui ne se disent pas. Parce qu'au-delà de tout, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des mères d'enfants. Et sachez que l'amitié que vous voyez, c'est quelque chose de très sensible et ça s'entretient tous les jours. Chou, allume-moi un peu la lumière là-bas. S'il te plaît, ça commence à noircir. Merci. Merci, Chou. Donc, l'amitié de Compressor et moi, c'est hors Facebook. C'est dans la vie réelle. Si on veut couper notre bière, on va couper notre bière. Arrêtez de dire que oui, on ne veut pas que ma fosse se sépare avec Compressor. Parce que vraiment, ça, c'est sur Facebook que vous dites. Mais dans la vie réelle, elle et moi, on se parle bien même. On envoie les messages, mais Mako, tu as un dème l'autre jour, hein? Tu as vu? Regarde maintenant. Même si tu cherches à, même si on cherche à arranger comment, ils ont déjà pris leur position dans leur tête. Et on ne peut rien. Je ne vous demande pas d'adorer Compressor. Je vous demande de la respecter. Et Compressor ne demande pas à la TKC de m'accepter. Quand quelqu'un te déteste déjà de base, quel que soit ce que tu peux faire, la personne ne va jamais t'aimer. Je vous ai pris l'exemple des mariages. Quand quelqu'un te hait, la personne te hait quel que soit ce que tu fais. Les gestes que j'ai avec Compressor, les gestes que Compressor a avec moi, ce n'est pas par rapport aux fans. C'est par rapport à ce que nous vivons. Et nous vivons dans la vie réelle. Que dans le virtuel, chaque star et ses fans. N'allez plus nulle part à cause de moi. Soi-disant, si vous avez commencé à vous comporter, c'est parce que vous avez mis dans votre tête qu'un Compressor et ma faute doivent dire que doivent être même bouche. Non, on ne peut pas être même bouche. On ne peut pas être même bouche. Le désaccord, ça existe. On ne peut pas être même bouche. Non. Je vous prends un exemple simple. Ma belle-mère, la grand-mère de Choupi, quand j'étais jeune, plus jeune, c'était le moment des élections au Cameroun. Et le grand-père de Choupi était dans le parti qui a le crabe là. Leur pain, c'est rouge. UPC. C'est UPC, hein? Le parti de ton grand-père. Dans l'UPC. Il était dans le parti qui a le crabe, l'UPC. On vous parle quand il y avait encore les partis politiques au Cameroun. Et ma belle-mère était rentrée avec le pain. Parce que le pain du RDPC, du Renouveau, ça avait une pièce, une main comme ça, non, avec le feu, je ne sais pas. Et elle était entrée avec le kaba un jour dans la maison, parce qu'elle vendait au marché de la cité. Elle est rentrée avec le pain de... Elle est rentrée avec le pain du RDPC dans la maison. Et elle a dit à son mari que, pardon, donne-moi 3 000, je vais aller coudre mon kaba. Il a dit que si tu ne votes pas UPC, il ne donne plus à manger. Il était catégorique. Il a dit qu'il ne rationne plus. Si ce n'est pas que quoi, tu vas aller demander la ration. C'est Paul Biya qui va te donner à manger. Dans ma maison, c'est moi qui rationne. Donc, hein, si tu ne votes pas le même parti que moi, je ne rationne plus. Elle a bavardé. Oh, tu es qui? Je veux sauf que voter. Elle a pris le pain là. Elle a cousu ce qu'a fait le foulard mettre sur ça. Le jour des élections. Ouais, le jour des élections, non, le jour pour aller voter, le grand-père de Choupi, il est sorti, il avait attaché le pain du tu as dit que c'est quoi, Chou? UPC. Il a attaché le pain là comme ça, bien, il a pris son balai, c'est le matin pour aller voter. Il a pris son pain, il a porté ça, il a attaché et tout et tout. Sa femme aussi a porté, entre les deux sont en train de partir comme ça au même endroit où on votait. Elle a porté son pain du RDPC. Elle a taché le poulet sur ça. Ils étaient en train de s'insulter en route. Et au quartier comme ça,
Il y avait aussi dans mon quartier, il y a beaucoup les tout pourris. Il y a aussi un parti là avant au Cameroun. Ils étaient beaucoup. Ils défilaient avec le bœuf. Les bœufs, tout ça là. Ils sont noirs comme ça. Oui, non, chou. Les tout pourris qui sont en Dobat là, non. Donc, le matin, le jour du vote. Tu crois le parti là, non? Les tout pourris qui sont au quartier là, qui boivent le bili bili. C'est un parti là, c'est au nord Cameroun. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont vraiment beaucoup. Donc, le matin, ma belle m'a mis son pain. Elle a mis son kaba. Et c'est elle qui parlait plus que tout le monde au quartier pour montrer que son mari, est-ce que j'ai... Il a pris son pain et son parti. C'est lui qui rationne, non? Donc, il peut dire que tu ne votes pas mon parti, vous ne mangez pas. Quand quelqu'un te donne à manger, la personne peut dire que tu ne votes pas. Va là-bas dans le RDPC, on va te nourrir tous les jours. Moi, c'est moi qui rationne ici, non? On va voir. Et beaucoup de familles au Cameroun, c'est comme ça. Oui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que quoi? Ce n'est pas la personne qui porte la tenue. Vous savez, pour aller voter, c'est dans la caisse, dans l'urne. C'est toi seul qui sais exactement qui tu as voté. C'est pas parce que j'ai porté un habit que ça veut dire que j'ai voté le parti là. Tu peux porter un vêtement d'un parti politique sur l'influence du quartier où tu vis, sur l'influence de ton entourage. Quand les gens tapent le divers, tu dis que non, tu vas voter, tu fais ça pour faire plaisir. Mais quand tu arrives dans l'une, tu prends ton vrai parti. C'est là-bas que tu mets. Et c'est une place. Et c'est une place. Il n'y a personne qui te voit. On n'entre pas deux dans l'une. Tu mets ton bulletin là-bas dedans. Et tu sors maintenant, dis ce que tu veux. Donc c'est ta parole. C'est toi seul qui sais qui tu as voté. J'aimerais vous dire, commenter et m'insulter ou bien montrer qu'on vous m'aime plutôt. Il n'y a que vous et Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui commente trop pour insulter compresseur qui voudrait dire que tu la détestes. Non. Tu peux commenter en commentaire. Tu l'insultes. Tu la clashes. Mais quand il y a un litige, tu es le premier à cotiser. C'est-à-dire que tu commentes pour insulter sur l'influence des autres. Parce qu'il y a des gens qui influencent les gens en commentaire. Oui, il y a des personnes qui influencent d'autres en commentaire. C'est-à-dire que tu viens commenter, tu fais les directs pour montrer que tu la détestes. Alors que quand il y a quelque chose d'important, tu es la première personne à t'élever pour aller cotiser. Tu es la première personne qui réagit positivement, mais pas derrière. Mais devant les gens, tu montres que tu ne l'aimes pas. Donc c'est toi seul et Dieu. Et pareil pour la TKC. On m'a envoyé certains messages que Christian de Monaco en train de lyncher dans le direct de tel. J'étais très choquée. J'ai dit que voilà les personnes qui peuvent aller derrière. Parce que dans les followers, il y a aussi des personnes qui nous conseillent. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas la même chose que nous on voit. Dans chaque team, il y a les leaders qu'on remarque beaucoup en commentaire. Et c'est ceux-là qui doivent prendre la main pour appeler les personnes comme nos stars, pour donner les conseils. Mais quand tu vois quelqu'un qui est leader, qui lynche l'ami de sa copine dans les commentaires, seulement parce qu'on a été en désaccord, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Je pense que non, mais je ne l'en veux pas. Pour ça, non. Je ne l'en veux pas pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui attendent juste les petites occasions pour mettre le feu. Que 2023 soit l'année où vous ne semez pas le trouble dans nos teams. Chacune est comme il est. Chacune a sa façon de parler et chaque personne à sa façon d'analyser. Quand j'ai pris l'exemple de mon beau-père et de ma belle-mère, qui, mon beau-père avait exigé que si tu ne votes pas UPC, je ne donne plus à manger. C'est tout simplement parce que c'est lui qui rationne. Ça dit que compression ne me donne pas à manger et je ne lui donne pas à manger. Ça veut dire que j'ai mon opinion s'il y a quelque chose. Et elle a le droit d'ouvrir son direct à qui elle veut. Oui, elle a le droit d'ouvrir son direct à qui elle veut.
on réfléchit différemment. Oui, que le trouble s'arrête aujourd'hui. Nous sommes en fin d'année. Et que chacun gère, que chaque follower gère son couloir. Et c'est valable pour tout le monde. Ne partez pas commenter chez Wario en disant oui, parce que tu as parlé bien de Mafo, parce que tu avais Mafo, que chacune a sa page et chacune a ses fans. Si vous voulez partir commenter en bien chez Lolo, ne partez pas parce que oui, aujourd'hui, Lolo a bien parlé de Mafo, aujourd'hui, machin, tout ça là. Non, chacune a ses fans. Et 2024, c'est l'année où hein, chaque star doit respecter l'autre. Facebook, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas des clans. Ça peut arriver qu'on se titille. Mais personne ne nourrit l'autre. C'est vous les followers qui, qui nous nourrissez. Parce que c'est vous qui nous regardez. C'est vous qui encouragez. C'est vous qui nous envoyez les étoiles. Mais ce n'est pas possible parce que quelqu'un t'envoie plus d'étoiles que la personne va t'imposer ce que tu ne veux pas dans ton cœur. Les abeilles, vous travaillez. Vous avez vos petits moyens comme toutes les teams. Je ne veux plus que vous ayez acheté l'amour ou que ce soit à mon nom. Si vous voulez me donner, donnez-moi. On n'a jamais beaucoup. On a toujours besoin. Ne partez pas faire des choses. L'amour, c'est quelque chose qui est intérieur. Que ça doit venir du cœur. Ça doit venir du fond de soi-même. Je ne suis pas une fille que si je ne savais. Oui, je ne suis pas une fille que si je ne savais. Je ne suis conditionnée par rien. Et j'aimerais pas que vous les abeilles, vous conditionnez les gens parce que vous les donnez. Non. Si vous donnez, c'est parce que vous avez envie. Hein? C'est pas parce que tu donnes à Lolo, à Compressor, qu'elle est obligée d'aller dans le même sens que moi. Non. Parce que si vous donnez toujours parce que vous voulez que les gens aillent dans le même sens que moi, il y aura toujours des, vous aurez toujours mal au cœur. Vous aurez toujours mal au cœur. Chaque star a sa team. Il y a des personnes. J'ai fait la soirée, non. Il y avait les gens de Lolo là-bas. Il y avait ces gens. Ils m'ont dit clair et net clair. Ils sont venus acheter les billets. Oui, maman. Oui, maman. Ah, oui. Il y avait les Lolo manioc là-bas. Les Lolo patates. Hein? Enlevez le nom là, ça va être chaud. Hein? Donc, il y avait les Lolo mania là-bas. Ah, elle dit les mouches, non. Ou c'est les quoi là? Ils sont venus. J'ai rencontré une bande de femmes là. C'était une Lolomania avec une abeille qui sont des amis dans la vie réelle. Mais chacune a sa star. Chacune veut convaincre l'autre qu'est. Chacune veut convaincre l'autre qu'est. C'est l'autre qui est bien, laisse l'autre. C'était à la fête, à l'anniversaire de Rosine Mémé. Ouais, mamie, ah, Asia. Ouais, le diabète. Elle parle aux toilettes même 100 fois par jour. C'est fatigant pour elle. Mamie, ah, ouais. Je crois que le plus dur, c'est que. Je finis quoi avec toi? Je finis quoi avec toi? Tu me prêtes 100 euros, c'est comme si c'était le milliard. Tout ce que je te donne depuis que tu es né. Va prendre les 2 millions que ton père m'avait escroqué, là, tu prends ça cadeau. Ça fait 3 000 euros. Tu avais 6 ans. Donc, tu n'as qu'à calculer, mettre sur ça. Parce que hier, j'ai prêté un petit 100 euros, mon frère. Ça devait. Je n'ai pas dormi. Un petit truc, je me coiffer, donne-moi 10 euros sur les 100 euros. Un petit truc. Parce que j'ai dormi. J'ai envoyé à Florian, c'était pas envoyé. Bonne année, non. Maman, je n'ai pas. Comme je n'avais pas les dos, je voulais donc envoyer au pays la bonne année. Il m'a prêté 130 euros. Je ne respire pas. Hier, donne ma 10 euros sur mes 130 euros. J'ai donné 10 euros. Ah, je t'ai donné combien hier? 10 ou 20? Je lui ai avancé 10. Donc, il manque. Après, encore, donne-moi. Je t'ai dit que je suis encore là. Je vais te redonner. Quand j'aurai. Quand tu auras. J'étais là à bouffer tes dos. Je vais te donner. Tu pars où? Ah, ça peut, je vais oublier quoi, je ne peux pas oublier. Je t'ai dit qu'elle va te donner. Je t'ai promis qu'elle va te donner. Je t'ai dit qu'elle va te donner.
Tout ce qui te nourrit depuis que tu es petit, tu ne peux pas me rembourser ça. Me prêter une maigre somme de 100 euros, ça devient comme si, excuse-moi, je vais te rembourser. Attends, on te dit Noah. Donc, je vais rembourser. Je suis pas une femme endettée. Je ne dois rien donner. Vous savez que quand les matins prêtent les dos, les enfants de Mbengue, quand ils te prêtent l'argent, oui, maman. Comme nous aussi, on ne donne pas vite. On va donner, non, c'est encore là. Quand tu as l'argent dans mon porte-monnaie, je suis mal au distributeur, mais sortir sans goma pour lui donner, non. Je vois seulement ça comme si c'est que ce n'était pas. Alors qui m'a donné, c'est de les donner. Après, je vais te donner. On dit que ténèbres. Qui a les témoins? Qui a les témoins? Ouais, je vous ai dit que je vais donner, non. Hé, hey, Loïc, tu crois, mais donne-moi mon sac, te donne. Donc tu te lèves devant les gens jusqu'à ce que tu veux me réclamer l'argent en plein direct. Je te donne 50 euros, mais 50 après. Je vais te donner. Je vais te donner. Je t'ai promis. Donc, comme je vous disais, michelven.com, bonne année à toi. Donc, comme je vous disais, non, Loïc n'exagère pas, pardon, c'est mon enfant. Il m'a prêté hier, quand il lui a demandé au centre commercial, que pardon, si tu as l'argent, tu envoies à ma nièce. Il a envoyé sans discuter, il aurait pu dire qu'il n'a pas. Mais il a donné ce qu'il lui a même donné 30 euros d'abord, que lui-même il a donné pour la bonne année de sa nièce. Et il m'a encore prêté 100. Lui, il a donné 130, mais il me réclame que 100. Donc c'est gentil de sa part. Voilà. Donc je disais que quand j'étais à la fête de Rosine Mémé, hors Facebook, dans ma vie réelle, je n'aime pas trop parler des histoires des teams. Quand je vois les. Mais les gens n'aiment pas respecter ça. Je n'aime pas quand je suis quelque part, quelqu'un vient me dire, oh, ta soeur, Lolo, c'est monté, c'est descendu. Et moi, j'étais dans un moment où je ne suis pas là pour ça. Et cette dame est venue. Elle me dit d'abord que, ma foi, par politesse, je suis en train de passer pour donner, pour vendre les tickets et tout. Après, elle me dit que oui, je voulais te dire que ta soeur t'aime beaucoup, faites la paix, tout ça. Elle dit que, mais attends, c'est un anniversaire. Donc, toi, tu voulais. Tu sais, quand tu as la rage, non? Elle dit que, donc, toi, tu peux me parler de. On a une fête, toi, tu me parles pas à quoi? Elle dit oui, nous, on va venir. Elle dit que si vous voulez venir, vous venez. Mais tu ne viens pas commencer à me parler. J'étais énervée, je vous assure que j'étais très énervée. Parce qu'elle a commencé à me parler. Oh, vous êtes des soeurs, machin. Tout ça. Elle dit que non, 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 il faut m'arrêter ça. Ne me parle plus, il faut partir loin avec. J'étais sur les nerfs. Donc, il faudrait que vous les fans, si vous deviez comprendre que quand vous nous voyez un peu dans les moments de Njoka, évitez de nous amener les noms. Tu me soutiens, tu es une personne. Il faut réveiller Poupouille. Elle a trop dormi là. Poupouille. Ah, tupou, tupou, tupou. Oh, oh là là, fais dodo là, la sieste. Prends le goûter. Eh, prends, viens prendre le goûter. Viens prendre le goûter. Je lui donne ça comme goûter ou pas? On va changer. Tu voulais quoi comme goûter? Un yaou? Eh ben yaou. Un Babybel. Elle aime trop les Babybel. Elle en mange trop. Hein. Tiens. Non, tu peux passer. Je cache ici. On ne voit rien. On ne voit, on ne vous voit pas. Elle ne veut pas, maman. Donc, comme je vous disais là, il faut éviter de faire que quand vous nous voyez dans les moments où on entend Njoka, vous nous ramenez les noms des gens. Non, les noms des autres blogueuses là. Flore dit, je t'apprécie bien, je t'aime bien. Il y a des personnes aussi qui me voient, ils ne m'apprécient pas, ils ne disent rien. Je suis là, je gère ma Stamaya là-bas, je les gère parce que vous qui me connaissez, moi je ne vous connais pas. C'est ça la différence. Donc, parfois, évitez de faire que quand vous nous voyez, on est dans le bruit, vous venez parler, enfin, oh, je n'aime pas telle parce que la personne te dit, mais arrêtez un peu, c'est bien. Tu ne l'aimes pas, c'est bien, mais quand vous voyez, franchement, que 2024, nous sommes en paix, nous tous, que chacun respecte son couloir. C'est tout. Il y a quoi? Est-ce qu'être en paix avec les gens veut dire que vous marchez ensemble?
Si on n'est pas marché ensemble avant, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez marcher ensemble. Je suis désolée. Que chacun soit responsable de ses actes. Que les gens arrêtent de faire que quand quelqu'un offense quelqu'un, on dit que c'est elle qui l'a envoyé. Nous ne sommes pas des enfants. Chaque personne est responsable de son mur, est responsable de ce qu'il dit. Donc arrêtez un peu. Quand quelqu'un vient faire le direct pour me clasher, on dit que oh, c'est elle qui l'envoie, c'est elle qui... Personne n'envoie personne. Je demande mes abeilles qui veulent me soutenir. Soutenez-moi. Soutenez-moi. Vous êtes mon armée. Combattez pour moi comme vous aviez toujours fait. Mais combattez dans le bon sens. Parce que la guerre n'apporte rien à personne. On en a marre. Et nous sommes fatigués. C'est épuisant de rester en se disant, mais je vais répondre à telle chose. Je vais répondre parce que telle m'a fait ci. On ne peut pas répondre à tout. Quelqu'un peut même t'offenser. Tu décides de ne pas répondre. Tu ne réponds pas. Oui. Quelqu'un peut t'offenser, mais il te clash même 100 ans. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui m'apprécie m'envoie un direct où on est en train de m'insulter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Soit disant que, oui, c'était pour te montrer que tel t'insulte, mais tu n'as pas besoin de m'envoyer. Je ne t'envoie pas. Regardez, si tu trouves un direct où on me clash, si tu veux me défendre, tu me défends. C'est légitime, c'est le travail qu'un fan fait pour sa star. Mais tu ne peux pas m'envoyer où on me clash, c'est pas possible, c'est pas par amour. C'est pour que je vienne parler. Parce que tu ne peux pas m'envoyer un direct où quelqu'un parle mal de moi et me dit de ne pas répondre. Ce n'est pas possible. Vous savez que sur les réseaux là, beaucoup de choses, c'est vous qui nous montrez. Parfois on ne connaît pas. Parfois on ne sait pas que quelle entrée. Coucou Magne 5 étoiles. Donc, il y a beaucoup de choses souvent que les gens font, nous on n'est pas au courant. Vous nous envoyez le lien et on ne réfléchit pas. On vient directement parler. Non. Sachez que si quelqu'un me clash, j'ai décidé 2024. Vous savez, je fabrique et je défabrique. J'ai donné la chance à certains de se faire connaître en leur répondant. C'est la chance que j'ai donnée. Parce que ces personnes, tant chercher la Stamania, ça n'a pas donné. Grâce à mon nom, ils ont de la visibilité. Si cette visibilité peut les rendre service, tant mieux. Tant mieux. Si ça peut leur faire plaisir, si ça peut leur donner ce qu'ils voulaient, tant mieux, c'est la vie. Fleur de Lille et ses fans qui l'aiment, qui l'apprécient, qui la respectent, c'est une place. Parce que vous avez voulu mélanger les choses, voir pourquoi aujourd'hui, il y a le malentendu dans les deux sens. J'ai décidé 2024, confirmation de la remplisseuse de salle, nouvelle résolution. 2024, objectif 1500 places. Et 2025, pourquoi pas 2000 places? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est important pour moi aujourd'hui. D'être la remplisseuse chic. Pas le poula-poula. Le gâteau? Tu veux quoi? Tu veux le gâteau, chérie? Viens, viens, viens. Hé, tu as appris à pleurer. Les gâteaux? Viens, mon cœur. Ouh, qu'est-ce qui... Ouh là là, fais-moi peur. Fais le fantôme. Viens, fais le fantôme, mamie. Regarde comment mamie fait le fantôme. Le fantôme. Même pas peur. Regarde comment mamie fait le fantôme. Personne, vous n'avez pas peur. Je fais le fantôme. Même pas peur. Objectif 2024, c'est de faire 1500 places avec la contribution de toutes les teams. C'est le Cameroun qui gagne. Encourageons chacun à faire de bien ce qu'il a choisi. J'ai choisi d'être promotrice culturelle et lancer les jeunes artistes et promouvoir la culture camerounaise dans le monde entier. Et j'aimerais que vous m'accompagniez dans cela.
J'aimerais que vous m'accompagniez à confirmer qu'effectivement, vous êtes derrière moi, vous me soutenez, qu'on fasse guichet fermé, 1500 places. Dès le mois de février, je vais vous présenter, on va dire au mois de février, je vous présente janvier, février, mars, entre février et mars, je vous présente mes artistes que j'ai choisis, l'artiste définitive, mon affiche. C'est Mado. Loïc. Oui. C'est Mado. Non, c'est Denise. Ah. Donc, objectif 2023, michevin.com, la Gabonaise de luxe et toutes les teams, c'est de pouvoir compter sur vous. Je suis désormais avec tout le monde. Quand tu vends les œufs, tu ne cherches pas les problèmes. Même si c'est l'hypocrisie, je l'assume. La politique, c'est quelque chose. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. J'attends toutes les teams. Je vous attends massivement pour qu'on puisse remplir la salle ensemble en 2024. On doit le faire. On doit montrer au monde entier qu'on peut sortir de cette vie-là, des clashs et consorts, pour faire autre chose et ça marche. Je compte sur vous. Je compte sur votre bonne volonté. Et nous devons, vous devez accompagner tous. Ma collègue et copine et sœur, dans ce qu'elle a choisi, compresseur, vous devez l'accompagner dans ce qu'elle doit choisir pour 2024. Et pour que ce qu'elle fasse, pour que vous l'encouragez, les premières personnes qui doivent se mettre devant et tenir la main, c'est vous, nos teams. Encouragez-nous dans le bon sens. Encouragez-nous. On est déjà en train d'aller à l'âge de la retraite. On ne va pas passer toute la vie à s'insulter pour faire plaisir à vous qui nous regardez. On en a ras-le-bol. On en a marre. C'est fatigant ça. Personne, ça n'avantage à personne. La vie c'est devant et non derrière. En 2024, je ne gère pas qui m'a insulté, qui a dit quoi. Je gère ce qui sera dans mon portefeuille. Les réalisations, les concrétisations. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je m'en vais comme ça. Comme je vous ai dit, nouvelle résolution 2024. En 2024, c'est l'année de concrétisation, de réaffirmation de la remplisseuse que je suis. On va faire et on va le faire comme il se doit. Je vais commencer par vous donner, pour entrer en 2024, je voulais vous annoncer aujourd'hui. Loïc, tu parles doucement, tu es chez toi, je le sais, mais tu peux parler doucement. Hein? Tu peux parler doucement. Hein? Ah, wonderful, c'est quoi? Merci pour les étoiles, merci beaucoup. Alors, nous sommes en 2024. On va entrer en 2024 et je vais déjà vous parler de 2024. À encourager, n'oubliez pas le 6. N'oubliez pas d'aller soutenir les X Maléa. Le 6. Tu as faim? Mamie, on va faire les pâtes. Il y a des pâtes, on vient manger les pâtes. Donc, les X Maléa, le 6 novembre à Washington DC. Le 6 janvier, donc le 6 janvier à Washington DC, allez encourager les X Maléa. Je vais poster l'affiche. Soyez là-bas massivement. Le diable que tu nourris. Le chien que tu nourris, c'est lui qui te mord après-demain. Et là, à la maison. La chanson de mon mariage. Venez voir le mariage. Oh oui, oh oui. Ils ont parlé, parlé encore sa beauté. Et là, chacun sa place. Les jaloux là ne vont pas se marier. Elle dit, Manola, venez voir l'amitié. Oh. Oh ouais, oh ouais, ils ont parlé, parlé encore sa beauté encore. Aujourd'hui,
venez voir l'amitié. Oh, oh, ouais, oh, ouais. Compressor et flot de l'île. Une place au Facebook. Et là-bas, sur Facebook, oh, que chacun reste avec ses fans. Oh. Ils ont parlé, parlé encore, marqué. Ta fille est réveillée, je peux parler fort. Hein. Ils ont parlé, parlé encore. Donc, quand je parle comme ça, vous voyez là, les prochains artistes 2024, non? Donc, rendez-vous ce 6 à Washington, D.C. Ce 6 décembre, ce 6 janvier. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de parler que... Merci Diane Perpétue. Oh, merci. Merci ma nièce Chou. Tu restes demain, ma nièce. Laisse Christian de Monaco aller m'insulter là-bas chez sa belle-sœur. Il n'y a pas de problème. Mais, Compresso et moi, c'est une place. On se connaît dans la vie réelle. Nous sommes des sœurs. Donc, c'est sur Facebook, même si on est en désaccord. Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est comme ça. Mais derrière, il n'y a pas que si il y a un truc, mais appelle-la d'abord. Si elle a quelque chose à dire publiquement sur moi, elle a le droit de parler. Donc, ne venez plus. Les photos, mamie veut voir les photos. Donc, si elle a quelque chose à dire publiquement, qu'elle est en désaccord, elle veut dire quelque chose publiquement, elle a le droit de dire, mais en mettant de l'eau dans son vin. Vous voyez un peu, c'est pas parce qu'elle et moi, on est ensemble, que si elle a quelque chose à dire qui ne l'arrange pas, elle ne va pas dire parce que les abeilles vont venir, les gens vont dire que non. Facebook, c'est la liberté. Elle est libre de s'exprimer. Nous sommes tous libres de nous exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est lourd, tu as vu, non? Loïc, ne casse pas les mains de ma mère, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Elle ne peut pas porter un album photo. Tu dis que Compresso va venir saluer maman Anna Kang. Elle a salué au téléphone, c'est beaucoup. C'est déjà bien. Elle a, c'est parce que je n'étais pas là. Voilà, les programmes sont souvent divers. Ça n'a rien à voir. Ne venez pas dire qu'elle s'est obligée. Donc ne viens pas me dire qu'elle va venir saluer maman Anna Kang. Tu cherches ce que tu vas dire. Hein? Faut arrêter ça, hein? N'importe quoi. Je suis le témoin de son mariage. Ah oui, Flo Kungan, je t'ai dit jusqu'à valider chez sa belle-sœur comment. On m'a envoyé, j'étais choqué en fait. Je t'ai dit, j'étais tellement choqué de voir que un leader comme ça. Oui, on m'a envoyé, je te dis, j'étais tellement choqué de que mais quelqu'un d'autre, pas lui quand même. Pas elle ou bien lui. J'ai dit non, j'étais trop. On peut avoir les belles-sœurs. Chaque personne que ton frère, le frère va vous présenter, vous allez toujours aimer. Même quand tu ne veux pas, pour finir, tu acceptes. Parce que quand ton frère t'amène une femme, au début, tu peux toujours dire non. Mais pour l'amour de ton frère, tu es obligé d'accepter. Pas que faire. Donc, voilà quoi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Donc, laissez, c'est une place. Donc, fichez-lui la paix. Mais que tu viens poser, que toi, tu es un ténébreux. Tu as compris? C'est pour ça que tu viens dire ça. Que voilà. Tu penses que ça en dit ça, que ça va faire quoi? Il faut partir loin avec. Il faut partir loin avec. Je ne tournais pas le débat sur ce qui n'est pas. Je tente de vous dire que rendez-vous à Washington, D.C. Et venez voir le mariage. Oh, oui, oh, oui. Ils ont parlé, parlé encore sa beauté. Oh. Alors, on va, et puis je vous parle, ce 6 janvier, je suis à Londres. Je vous donne ma journée à Londres. Parce qu'il est important que je vous dise, c'est que, nous sommes en 2024, c'est l'année de réalisation, de concrétisation. La vie, on ne vit qu'une seule fois. Donc, je vous dis à Londres, à Belseyem. À belle-sœur chérie, donc je suis invitée à Londres le 6. Je suis invitée à Londres. Alors, je vous donne le programme de la journée de Londres. Oh, ça veut dire qu'elle ne sait pas. Tu ne peux pas comprendre. Oh, ça veut dire que... Donc, je vous donne...
Abel, ce chéri, aime d'amour. Oh, je voulais donner le programme. Là, c'est ta fille. Là, donc, je vous donne le programme. Arrivé à Londres, je suis installé au Ritz Carlton. Le Ritz Carlton à Londres. OK? Voilà, là, c'est 12 heures, petit déjeuner à l'hôtel. 19 heures, un petit thé traditionnel d'après-midi. On appelle ça after world tea. Hein? After world tea. Ça sera au Ritz Carlton à Londres. Le dimanche, dîner. Toujours à mon hôtel, le Ritz Carlton. Programme, caviar, champagne, cigare. Bon. Canton. Le Ritz Carlton. Quand quoi? C'est Canton. Mais c'est Canton, non? Le Carlton, non? C'est quoi? Vous aimez trop ça. C'est Joseph. Dans le programme. Que le Ritz Carlton. Tu dis que le Ritz Carlton. C'est qui? Donc, le Ritz Carlton. Là, c'est un enfant que tu as accouché. Oh, donc, lui, il parle doucement. C'est quoi? Si tu parles doucement, il écoute. Tu parles de grand, mais écoute. Tu as lui monter l'album. Monte-lui. Parle doucement. Les bassins, vous avez trop le mauvais cœur. Ouais, les gens. Ouais. C'est ça, non? Mamie a dit que les tchans ont fait quoi? Ah, oh, oh. Que les tchans ont fait quoi, mamie a? Que les tchans ont le mauvais cœur. Donc, c'est mamie a, c'est toi qui m'as dit ça comme ça au village. Donc, le Ritz Carlton dîner au programme caviar, champagne, cigare pour les fumeurs, shopping center. Donc, shopping center, et là-bas. Tenue exigée, les hommes entrent au Ritz Carlton car avec le smoking. On entre pas là-bas avec le jean, hein? Au Ritz Carlton, on n'entre pas là-bas que le jean a fait que c'est smoking. Ça va, c'est qui? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le gros câlin à toi, maman Anna. Merci, ma belle soeur chou, dont j'ai. Tu m'appelles à Kenkam, non? Explique à grand-mère. Et noyau, tu as compris, non? Explique à grand-mère. Que quoi? Demande que c'est qui? Parce que comme tu étais jeune. Ah, c'est mon ex-mari. Que je t'ai jeune, là, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est moi, maman Anna. C'est maman Anna. Il y a aussi mon père avec mon mari qui m'avait doté là. Ne dis pas le nom, hein, Loïc. Montre-lui, il y a la photo que je suis avec mon père le jour qu'on m'a doté. Maman, je suis femme qu'on a doté, hein. La nuit, là, maman. On m'avait doté. Elle était jeune. Hein. Donc, et puis, là, c'est décembre. C'est janvier. Maintenant, en février. J'ai quoi en février? Est-ce que j'ai mon programme de février? Avec qui? Je sais qu'en mars, je suis aux États-Unis, à Atlanta. Je vais taper Atlanta. Attends, je tape. Je tape. J'avais ça. Ça va, non? Yes. Comment on va remarquer? Papa? Et mamie est où? Voilà. La 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 la
dan 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 l'amour, l'amour, je t'aime. Ne mettez pas la musique et je travaille là. Donc, rendez-vous le 9 mars à Atlanta. Maman, c'est une télévision. Je suis journaliste, mamie Anna. Mon télévision, maman. Donc, le 9 mars, rendez-vous le 9 mars aux États-Unis à Atlanta. Le 9 mars. N'oubliez pas. Je m'irai bellissima. Qui va présenter l'artiste Sammy Dico. N'ai pas travaillé mes dons. Et à quoi? Et en mars, après, il y a avril. Avril, Washington DC, avec Grace Deka. Hein? Avril, à Washington DC, avec les femmes, Madame Fongan. Avec la présidente de l'association, Madame Fongan, qui a le meilleur restaurant du tarot à Washington DC, qui va présenter dans son association Grace Deka. Donc, la reine mère, la communicatrice des artistes, la remplisseuse de salles. Elle s'en va commencer à vendre les tickets aux États-Unis. Je commence à vendre là-bas, aux États-Unis. Oui. Ton oncle qui crie beaucoup, ça s'appelle comment? Tonton Didi. Voilà, c'est ça. Tonton Didi. Voilà, ça, c'est ta femme. Il est là fatigué, il ne crie plus. Tonton Didi, il grondait. Hey! Non, il grondait trop. Tout le monde le fuyait. Mais il est là fatigué, il ne gronde plus. Tonton Didi, non. Donc après, j'ai un flyer en Allemagne. Abeille, une abeille qui présente sa soirée. Il y a la sortie des pagnes dans un pays là. Oh là là. Une association qui va présenter sa sortie des pagnes. Qui va présenter sa sortie de pagnes en. Je vais noter tout. Hein. Mais 2024, c'est une année. C'est une année qui est remplie de bonheur, de beaucoup de travail. Et n'oublions pas notre chantier et tout, quoi. Donc, je vous donnerai mon programme 2024 au fur et à mesure. Mais en attendant le 6 déjà, vous allez me suivre en direct de Londres et avec ma belle-sœur chérie. Hein. Et puis, allez soutenir les X-Maléas. Je vais poster l'affiche tout de suite hein, après ce live. Donc, je ne vais pas rester long. En Finlande, comment tu sais? Attends, lis Sophia Brenda. Mais toi, tu es qui en fait? En Finlande, comment tu le sais en fait? Là, je connais là. Ah, mais tout qui bavarde beaucoup, je bavarde beaucoup. Maman, quand il bavarde comme ça, il ressemble à qui? Je ressemble à mon père. Je ressemble à mon père, comme mon père faisait le sicia. Jusqu'à. Oh. Ouais, je ressemble à qui? Hein? Dans la famille de ma mère, il n'y a pas le bavardage aussi. Même ma mère, c'est comme. Ouais, ma a souffert. Assia, le mariage du hot. La mère, c'est du hot, non. Dans les cœurs chou, en faillant exactement à la sortie des pas. Mais comment tu sais? C'est quoi? Cacharé, une abeille. Oui! Mais comment tu sais qu'elle m'a contacté en fait? Je ne comprends pas. Vous faites souvent même comment pour savoir? La sortie des pagnes de leur association. Je ne dirais pas compris. Hein? Comment tu sais? Je veux savoir. Toi, Liz Sophia Brenda, qui es-tu? Comment tu peux connaître mon programme alors que je n'ai même pas posté l'affiche? Et puis, au mois de mai, c'est l'Allemagne. Oui, les billets seront en vente en ligne. Waka, waka, les billets, s'il te plaît, en vente en ligne. Oui, comment tu sais? Oui, on va faire. Il y aura un site de vente des billets aussi et à main. Alors, j'ai dit qu'en Allemagne aussi, oui, en Allemagne, la soirée en blanc en Allemagne, on va travailler 2024, ok? Bon, on va pas mettre long, je vous souhaite un bon réveil, une bonne Saint-Sylvestre. Elle fait la promotion, ah bon? Elle n'a pas encore validé mon contrat, elle fait déjà la promotion. Qu'elle m'a déjà validé le contrat, ma?
Donc les gens. Hein? Tu dis qu'elle fait déjà la promotion que. Donc elle accepte le montant qu'elle lui a dit non. Je vous dis, résolution 2024. Il n'y a pas question que quelqu'un fait son joker, il m'invite et quoi que c'est un joker. Fleur de Lys se déplace sous un cachet. Après, j'ai des amis, j'ai des choses aussi qui me plaisent, que j'ai envie d'y aller. Ah, j'y vais. Mais sachez que pour m'inviter, même au restaurant manger, on me paye. Ah, mais... on a donc, il y a non. Et pour partager un truc sur ma page, mon père l'a doté. Hé, cher mémé. Oui, c'est une abeille, je vais la valoriser, mais j'espère qu'elle n'a pas sorti encore les affiches, puisque c'est moi qui donne les photos. Il n'y a pas de problème. Donc, sachez que pour partager quelque chose sur ma page, on paye. Parce que les gens font souvent que oui, pardon, partage ça sur ta page. Non, je ne partage pas une chose sur ma page. Ma page, c'est une page où c'est mon travail. Ce n'est pas que gratuit, non. Même si c'est 300 euros, même si c'est 200 euros que vous me donnez, que partage cette affiche, ce n'est pas rien. Ça peut me permettre de faire mes courses. Donc ne croyez pas que parce que je te suis, c'est le genre, non. Prends ça, tu m'en peux pas ranger, laisse sur la table. Fleur de Lys, tu vas aller à Abidjan. Si on me paye le job billet d'avion, moi je ne pars pas là-bas. Comme ça. Pendant qu'on donne les autres, on paye tout aux autres. J'ai déjà trop soutenu mon pays, ok? J'étais au Qatar, j'étais à la Cannes. Je tourne partout, partout. Là, les dépenses, l'argent, les préfères acheter. L'argent du billet d'avion, ça me fait les sacs de ciment. Si on me donne, oui. Si c'est que quelqu'un me dit que moi, faut te paye. Si on m'invite, qu'on me paye, que viens, on te paye ton job billet d'avion, tu viens aussi, oui. Mais dis que moi, je vais voir comme je vois la maman. Je suis une femme, ce n'est pas le mari. Dans les petites miettes que je fais aussi, tout aussi pour me battre. Je ne vais pas prendre ça pour partir parce que je m'en vais à la canne. Non. Si on me donne, oui, il n'y a pas de problème. Général Makosso a dit qu'il te, il t'invite. Oui, il a dit. Qui donne non? Attends, je ne me pas. Ça, c'est ta tapette. Papa dit. Donc, ne voyez pas seulement. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup les promesses. Après, ils ne donnent rien. Moi, ce n'est pas qu'on va. Moi, c'est que voilà ça. Ne vivons plus sur la base de que on a dit que. Disons que ma faut voilà ça. Après, s'il y a une abeille qui ivoirienne qui veut que je vienne en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, elle me paye mon billet d'avion. Elle m'appelle. Elle me paye mon billet d'avion, je viens. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je n'ai pas de mari, ma. La vie ne me donne pas le lait. Ce n'est pas facile pour moi. Toute seule comme ça, en Bengue, ce n'est pas facile. Ha. C'est pas facile, mais les gens. Seule comme ça, là même, là, c'est pas facile. Ma faut, va en vacances au Japon. Invite-moi, tu payes, non, ma. Là, c'est qui d'abord? Vous aimez, tu envoies les gens en vacances. Il n'y a pas de problème, je peux. Oh, mais c'est qui? F.P. Maman, faut F.P. Magina, lis mon message. Tu as dit que quoi, chérie? Ouais, tu as dit que quoi? Oh. Il faut arrêter de donner les conseils que ta copine apprend à te parler en public. Oh, vous aussi. Parfois, sur le fait de ce que les gens disent aussi. Après, chacun est comme il est. Chacun est comme il est. Arrêtez de parler de ma copine. Je vous ai dit que c'est une place, vous et moi. Ma copine, c'est ma copine. Elle a ses fans. Elle a sa team. Maintenant, tu peux être abeille et aimer ma copine. Et la motiver. Mais c'est pas que c'est à mon nom. Parce que quand vous dites que c'est à mon nom, ça fait que quand il y a un truc qui vous énerve, vous vous acharnez. Oh, si tu pas volontaire, va aller par rapport à ce que la personne qui fait qui vous plaît. Non, Akamayo, c'est... C'est les sous. Ma faux médecin avait pris 1000 euros à Gruta pour ton passage. Sur. Toi, Alice Nana, moi je ne connais pas. S'il a pris ce qu'il a mangé, non. La chèvre brute là où elle est attachée, non. Je ne vais pas aller. La chèvre brute où elle est attachée, non. Et en 2024, blessé de guerre se paye. Vous qui avez les multiples problèmes là. Blessé de guerre, on paye pour parler blessé de guerre. Si vous ne voulez pas payer, ça allez dans la télé, Njor. Ma télé n'est pas le Njor. Allez dans la télé qui cherche les clients. Allez dans les télé, les chaînes de télé qui cherchent encore la clientèle. Moi, ici, on paye. Pour parler à blessé de guerre, vous payez.
Hein? Dieu ne venait pas. Vous aimez que ma faux parle de tout, je te dis. Je disais que pour venir à ma télé, on paye pour parler. Parce que vous savez que nous, on est devant les réseaux. On parle, on boit, les problèmes des gens. On parle, on boit, on parle, on boit, on mange, on parle. Mais c'est trop d'énergie. Il faut aller se laver. Et les jours qu'on n'a pas envie de se laver, il fait froid en bain. Oui, on oublie de se laver, mettre le truc. Après, même tu finis le dîner, tu es fatigué, tu vas dormir. Après, ça te donne les imperfections. Tout ça parce que il faut parler sur Facebook. Et je vais m'adresser aux gens qui m'envoient les messages pour me demander l'argent, pour soumettre les problèmes. Moi-même, j'ai mes problèmes. Donc, arrêtez de faire que vous envoyez tous les messages, demandez les fonds de commerce, ça dit que vous êtes malade. Il faut arrêter ça. Ça va aller comme ça. Yes. Voilà. C'est tout. J'espère que si j'ai heurté les gens dans mon live, je vous demande tout simplement les excuses. En 2024, demandez les excuses quand on fait quelque chose, quand on commet des erreurs, n'est pas synonyme de faiblesse. Mais c'est le savoir-vivre. Donc si durant mon live, j'ai heurté certaines personnes, je vous demande humblement des excuses. Vous savez, quand vous êtes en direct, vous aussi animez par des commentaires. Vous pouvez aussi dire des choses qu'il ne faut pas par rapport aux commentaires. Mais je vous demande tout simplement des excuses. Et bonne Saint-Sylvestre, bonne année, bon gouffier, bonne année à tout le monde. Voilà, continuez à me soutenir. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Regardez que devant. Ne regardez pas derrière. On ne peut pas vivre toujours en regardant le passé. Regardons le futur. C'est très important de regarder le futur. Ma photo, ton programme du 31. Moi, je vais aller où? Je vais à Oisem là-bas chez ma soeur Christelle. Je fais le tour de l'île Nord. Tu veux que j'aille où? Déjà, même, il faut quelqu'un pour garder un enfant là. Chacun dit ce qu'il va sortir. Donc, mamie va rester. Il fallait quelqu'un pour garder l'enfant de ma copine. Okay, tu ne pourras pas être là. On te donne 30 euros. 300 euros. On te donne 30 euros. Tu gardes l'enfant là. 50, c'est bon. 300. Mais attendez un peu. Je donne 50 euros pour garder l'enfant de ma copine. On va en joker. Non, 300 euros. Hein? Pourquoi? Comme ça. On te donne 100. C'est bon. 100 euros, tu restes à la maison. 180. Pourquoi? Loïc, arrête aussi. Pardon. Pardon, ouais. Non. Attends, 100 euros, c'est beaucoup, non, pour faire babysitter. S'il te plaît. 100 euros, c'est bien, il reste. Tu gardes, on te donne 100 euros, c'est bon. Augmenter. Il reste quoi? Augmenter. Il ne peut pas. Tu sais que si tu ne restes pas, que tu laisses. Il y aura les problèmes, non? Après qui? Augmenter votre tarif. L'assistance sociale. Donc, il ne faut même pas essayer. Non, je te donne 100 euros, tu restes avec. Non, bon, tu laisses alors pas. Tu crois que tes amis là vont t'apporter quoi? Bah, ça va. Porte l'enfant là. Porte l'enfant là. Donc, ça va alors. Parce que là, maintenant, elle ne peut pas sortir. S'il n'y a pas quelqu'un pour garder l'enfant. Mais moi, elle ne veut pas aussi sortir seule. Hein. Elle ne veut pas sortir seule. Quelqu'un dit que... Choupi, quelqu'un dit que mais c'est les stars, non? Il faut demander 200 euros. Pourquoi? Merci, ouais, merci, c'est un pays que tu ne peux pas aller, Pemouna. Tu fermes la porte pour commenter. Jamais. Parce qu'on fait ça au Cameroun. Au Cameroun, on fait ça. Non, tu ne peux pas ici en Europe, c'est pas possible. Nous, on va aller au restaurant, mais on veut pas aussi aller seul. Bonne année à vous tous. Bonne année. Est-ce que mon direct vous dérange, Chou? Il est à 17h. Bon, je. Check la partie 2. Je coupe le direct, je relance, vous appelez maintenant pour souhaiter bonne année à mamie. Hein. Vous souhaitez bonne année à de vive voix. Non, je coupe le direct, je relance, va t'amuser. Tu me chasses pourquoi Farah? Il est 17h, tu me dis que va t'amuser. C'est toi qui m'envoies souvent m'amuse quand tu me dis que va t'amuser. Il faut souvent arrêter ça. Hein. Je souvent dis aux gens, va t'amuser, il est 17h. Tu crois à quelle heure? Je ne vais pas m'amuser où? Je suis sortie hier, je suis rentrée ce matin. Je n'ai même pas dormi là. Si ça vous dérange que je parle, je vous coupe, je coupe alors. Toi, il arrive, mon soeur. Tu me dis que coupe déjà, tu vas t'amuser. Je coupe et pas m'amuser. Ou à 17h, on est en Europe. Hein. Tu parles de quoi? Ce qu'a dit que je coupe et pas m'amuser. Arrêtez un peu souvent. Hein.
C'est vous qui m'envoyez souvent m'amuser. Comme je suis allé dormir dehors, je suis rentré ce matin. Je suis parti dormir dehors, je viens de rentrer. Vous voulez seulement que je coupe et commence à manger. D'accord, je coupe. Je coupe, je relance. Vous souhaitez bonne année à la reine mère. Ah, vous m'avez découragé. Au revoir. On fait comme ça. Oui, va. Oui, va t'amuser ce soir, c'est que je vais dire. Ah, ok, pas maintenant, n'est-ce pas? Ah, vous m'avez découragé. Vous les followers, vous jouez sur nos cerveaux souvent. Vous jouez souvent sur notre comportement. C'est vrai, hein? Parce que quand vous faites ça, ça décourage. C'est bon, je vous laisse passer. Si je reste là, si je lance même la paix, vous allez appeler, dire des choses que je ne veux pas. Et c'est pas bien. Je vous ai déjà dit et je le dis encore. Donc, Désiré Nyang. Eh, hey, ancien cousin, ancien cousine, Christian de Monaco. Tu es ancien, je suis ton ancienne tante. Parce que tu as montré que tu peux me mettre à la verdict populaire. Jamais j'aurais imaginé ça de toi. Voici les messages que tu as écrits. On m'a envoyé ça. Je lis une personne m'a envoyé que. Christian de Monaco, que tu apprécies là. Voilà ce qu'il a écrit là-bas chez sa belle-sœur. Alors, je lis ce que tu as écrit. Papa d'amour. Attends. Dis papa d'amour. Fais-moi un bisou. Attends, je lis ce que tu as écrit, blanc. Regarde la télé, mais quoi? C'est bon. Ton problème, c'est le dessin animé. Attends, je lis ce que tu as écrit. J'ai même archivé la personne qui m'a envoyé ça parce que ça m'a un peu vexé. Ça m'a vexé. J'ai archivé, mis sur la personne sur archive. Non, ça m'a vexé. Parce que des fois, les gens t'envoient des choses, ça t'énerve. Tu te dis, mais pourquoi tu m'envoies en fait? Oh, je voulais seulement te faire voir. Non, c'est énervant quand même. Surtout, bon, après, il y a des gens, ils disent ce qu'ils veulent, mais bon. Ouais, Flo Kungan à l'hôpital. Ouais, ma soeur. Nda. Elle a eu un malaise hier. Bonne année, ma soeur. Elle regarde d'être hospitalisée dans son lit d'hôpital. Nda. Asia. Attends, je vais lire un peu. Quand la personne m'a envoyé ça, que voilà ce que ton fils ou c'est ta fille. J'ai seulement archivé. La personne m'a rien fait, mais c'est juste par politesse. Parfois, tu es en famille, tu veux être au calme. Voilà. Les captures des camps que la personne m'a envoyé, qu'il a écrit que les pleurs dans mes oreilles. Les pleurs dans nos oreilles aujourd'hui. Oh. En tout cas, c'est dosé. Oshi, la magie. Tu es en train de doser comme il faut. Maman Sarah. Moi, je connais même. Pas tous ces gens. Bon, on va s'abonner. Oh, ça a cuit. Je ne sais pas de quoi il répondait, mais on m'a juste envoyé qu'il était en train de répondre dans un live et dit comme ça. Mais bon, moi, ça m'a un peu énervé. Oui, c'est mon village. C'est ton village. Chantons tous en 2024, vraiment. Regardons la direction pour encourager nos fans, pour s'encourager et non pour regarder. Les choses, non. Ça ne sert à rien, vraiment. Donc, bonne année à vous tous, sans exception. Voilà, un seul. Bonjour, ma faux. Quelqu'un a perdu sa mère. Bonjour, ma faux. Suite au décès de ma mère, souvenir 26 novembre. J'ai la longue maladie. À l'occasion, j'organise une veillée le 6 janvier. Ouais, maman. Quand vous organisez aussi la veillée le 6 janvier, en début d'année, comme ça, la veillée, c'est aussi chaud, non, ma mère? Le 6 janvier. C'est chaud. Wow. Le 6 janvier, c'est la première week-end de. Ça dit que c'est vraiment. Ah! Mes sincères condoléances à toi. En tout cas, vous savez. Chacun fait ce qu'il veut. Ne voudrait pas dire que nos fans, nous les fans, nous les vos stars, nous ne sommes pas responsables de vos écrits sur les gens, sur les Facebook. Derrière chaque faux profil, il y a caché un être humain. Il y a caché quelqu'un qui a un cœur et tout.
2024, il n'y aura pas le aide-moi à détester sur ça. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à nos noms que vous partez insulter les gens ou bien vous propagez une haine envers les autres. Il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui ont d'abord les problèmes dans leur famille. Et ils reversent ça sur nous, leur star. Nous ne sommes pas responsables. Que chacun arrange les problèmes dans sa famille avant de venir chercher la paix entre les gens sur Facebook. Vous qui commentez, vous qui parlez trop là, vous êtes trop en paix dans vos familles. À chacun ses problèmes. Ne reversez pas. Parce qu'il y a tellement qui parlent avec la rage. Tu sens que ça ne donne pas dans sa famille. Si ça ne donne pas de vos familles, faites l'apaisement. Faites tout pour que ça marche. Remettez tout à zéro. Ne venez pas reverser sur nous. Non. Nouveau leader. Nous ne sommes pas obligés de prendre ce que vous dites pour faire les problèmes aux gens. Non. Vous dites ce que vous dites. C'est votre problème. Laissez-nous vivre nos vies. Laissez-nous être libres. Vous avez les problèmes dans vos entourages. Ne reversez pas sur nous. On ne va pas aller faire vos problèmes à votre place. Quand tu me vois, je ressemble peut-être à une tante qui t'emmerde dans ta famille, à qui tu n'as pas le courage de répondre. Je ressemble peut-être à la soeur de ta mère, à ta grande soeur avec qui tu n'entends pas, à ta cousine avec qui tu ne t'entends pas. Quand tu me vois, je reflète cette personne. Mais tu mets ta haine sur moi, pourquoi? Je leur ressemble, je ne suis pas elle. Ne viens pas chercher à verser ta douleur sur moi. Je suis un inconnu, je suis quelqu'un que tu ne connais pas. Tu connais à travers les réseaux. Va arranger tes problèmes dans ta famille. On en a tous. Il n'y a personne ici qui n'a pas les problèmes. Il n'y a personne ici qui peut nous dire qu'il s'entend avec tout le monde. Jamais. Oui. Donc, il n'y a personne ici qui peut dire que il est... Moi, je vais bloquer cette personne ici qui a dit que... je vous laisse. Donc, calmez vos cœurs. Nous tous, nous traversons des moments difficiles. Parfois, tu arrives chez toi, tout t'énerve pour rien. Ça arrive d'être de mauvaise humeur. Ça nous arrive tous d'être de mauvaise humeur. Oh, ça nous arrive. Parfois, comme ça, quelqu'un te dit bonjour, la personne t'énerve même. Parce que tu as passé une journée avec trop de choses dans la tête. C'est-à-dire, tu ne sais même pas comment tu vas payer tes factures. Quand tu refais tes problèmes, te dépassent. Donc, du coup, ça t'énerve. Ça peut arriver d'être en désaccord. Ça peut arriver. Mais ça ne voudrait pas dire que vous allez détruire ce que nous avons construit. Parce qu'au-delà de tout, la paix, c'est nous les leaders qui amenons nos fans à être, à faire la paix. C'est nous qui vous montrons que nous sommes en paix. Et si vous nous aimez, vous devez marcher selon ça. Parce que vous-même, vous êtes en paix dans vos familles, peut-être. Pourquoi tu veux le désaccord? Hein? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. J'ai dû avancer des choses qui a poussé ma copine parce qu'elle ne s'attendait pas. Elle se dit que Flore de Lille est composition une personne, ça veut dire qu'elle doit suivre ce qu'elle dit. C'est ça. Mais pour une fois, j'ai été en désaccord, j'ai pris mon opinion et tout. Ça voudrait vous dire, c'est tout simplement pour vous montrer que dans la vie, on peut avoir des différentes opinions, même si on est ensemble. Kata, kata. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, parce que ça va encore arriver, ça pourra encore arriver. Il y aura plein de sujets. Il y aura plein de sujets dont elle va soutenir peut-être l'homme. Moi, je supporte la femme. On peut ramener le problème de couple sur Facebook. Quelqu'un vient blessé de guerre. Il passe chez compresseur. La femme passe chez compresseur, blessé de guerre. L'homme décide de venir passer ici. Que je vais... On a parlé de moi là-bas. Je viens démentir ici. Ce n'est pas obligé d'aller démentir là où on t'accusait. Attention, hein. Nous sommes sur les réseaux. Mais ce n'est pas obligé qu'il y ait un point blessé de guerre. Quelqu'un vient se plaindre chez moi. La femme décide de venir chez moi. L'homme décide de passer chez compresseur. C'est bien. Ça nous donne le travail, nous tous. Pourquoi? Je ne veux pas gagner seul les chantiers. On est d'accord?
Je ne veux pas gagner sur les chantiers. Ce n'est pas que dans un chantier, il y a les manœuvres, il y a tout. Un chantier se fait toujours avec beaucoup de gens. Parce que si la femme vient passer chez moi, si la femme vient passer chez moi, blessée de guerre, l'homme vient encore passer chez moi, les autres auront quel travail? Le travail, c'est pour nous tous. Le travail, c'est pour tout le monde. Donc, quelqu'un peut dire que blessé de guerre, pas passer chez Lolo. La femme passe chez Lolo, l'homme décide de passer chez moi. Ou l'homme décide de passer chez compresseur et je partage. Oui? L'homme dit que je passe là-bas démenti chez compresseur et je partage ce direct. Aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité et je n'ai plus la possibilité de partager les directs de compresseur parce qu'elle travaille avec une marque. Moi, je suis en contrat avec une marque. Mon contrat est fini en décembre. Là, je dois re-signer en janvier. Peut-être avec une autre maison. Peut-être avec la même maison. Mais ce qui est sûr, tant que je suis en contrat avec des produits cosmétiques, je ne peux pas partager un direct où là-bas, il y a les produits déposés, même si ça me plaît. Parce que vous, les fans derrière nous, vous ne comprenez pas. Quand il y a un contrat, il y a des clauses. Quand il y a un contrat, il y a des clauses. Regardez, par exemple, au départ, je disais Gluta. Maintenant, je ne suis pas obligé de dire Gluta. Je dois dire Amélie. Si elle veut parler d'Amélie, je parle de son prénom. Je ne prononce pas sa marque. Parce que je travaille déjà avec une marque. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il ne faut pas, peut-être vous voyez les directs, vous dites que, ah, mais comment compression n'a pas partagé les directs de ma foi alors que c'est intéressant. Comment? Il y a les directs de compression que je partage, après je supprime. Parce que ma patronne tombe sur ça, elle rompt mon contrat. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Donc, il faut comprendre que Facebook, c'est notre télé, c'est notre lieu de travail, c'est où on travaille. Et on doit respecter, au-delà de tout, on doit savoir que nous sommes en contrat avec des gens avec qui on travaille et on doit respecter. Oui. Et il faut savoir que pour avoir des contrats, et pour avoir des contrats, il faut avoir de la visibilité. C'est très important la visibilité des contrats. Ce qui fait que Mafo Chou et Compresseur Chou, on travaille. On travaille. Il y a des partenaires qui ne regardent pas certains détails, mais il y a les partenaires qui sont aussi très regardants. C'est le business, c'est ça qui nous fait manger. Plus tu as les contrats, plus les gens trouvent que tu es intéressant, plus ils te recontactent. C'est un peu comme un footballeur qui a toujours le travail. Mais c'est où les autres équipes s'intéressent. Parce que si tu as toujours les contrats, ça voudrait dire que tu es intéressante. On a donc Yami, non? C'est ça, en fait. Quand tu as un contrat, tu vas voir le deuxième contrat va arriver, le troisième. On va se dire que, mais pourquoi c'est nous que l'autre qui a les contrats? Non, l'autre a les contrats parce que les gens qui te donnent ces contrats trouvent derrière une rentabilité. Une rentabilité. Oui, la paix est bien. La paix, c'est une bonne chose. La paix apaise. La paix, c'est une très bonne chose. Et on ne peut pas venir tout le temps, venir faire des choses pour faire plaisir. Parce que quelqu'un, voilà, alors les gens comme ça, qui les haineuses, tu me dis qu'elles donnent les détails. Mais je dois donner les détails, putain de bordel. Mais arrête, tu me dis que dans les détails, mais c'est normal quand tu ne peux pas être en train de faire la poussée du Coca-Cola, tu parles encore du Schweppes. C'est pas possible. Tu comprends, tu es bête ou quoi? Jusqu'à tu me dis que je ne donne pas les détails. C'est quel détail que je donne? Je donne les explications. Ok? Aujourd'hui, je parle d'Orange Money. OM Europe. Tu penses que je peux venir parler de ma chaîne, même si l'autre me propose le contrat? Je parle d'Orange Orange Money Europe. Tu penses que je peux venir parler de d'autres applications? Parce que je suis déjà en contrat, voyons. Apprenez, écoutez. Je ne peux pas venir partager, direct où on parle des autres applications de partage, même si la personne ne parle pas au début. Mais dès lors, je constate que la personne a partagé de cette application de qui est le concurrent de où je travaille, je dois supprimer. Vous savez même comment souvent?
Mais bien sûr, parce que j'ai déjà eu les lives où je partage de ma copine. Après, je supprime. Parce qu'elle a les produits posés à côté. Ou bien on m'appelle que oui, partage le live, ça sera très bien. Oh, oh. Et pendant le live, je peux partager un live s'il n'y a pas les produits posés à côté. S'il n'y a pas les produits, oui. Si le live m'intéresse, bien sûr. Parce que ce n'est pas forcément tous les lives qu'elle fait qui vont m'intéresser, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui nous envoient les trucs. Oui, ouais, partage-moi alors la fiche. Sinon, on va pas partager parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Vous voyez le Niebel? Je partage la fiche de Niebel parce que le Niebel me soutient. Je vais partager la fiche de Niebel. Je serai à son anniversaire. Malgré qu'il va être à Londres, je vais tout faire pour rentrer. Je pars à Londres le 6. Je rentre le 7. Je m'arrête à partir à Paris. Je vais à l'anniversaire du gourou au Niebel. Parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu, qui me soutient. Mais oui, ici, il faut se soutenir. Bon, je vous laisse alors, je vais manger. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Bisous, non. Je vais manger ma tête de poisson, là. Comme vous aimez du star, ne mangez pas devant les gens. Regardez comment ils vous respectent. Est-ce que depuis, vous m'avez vu manger devant les gens? Non. Bon, bon, gouffier, non. Bisous, bisous à tout le monde. Apaisez vos cœurs. Il n'y a pas mort d'homme. On a fait pire, il y a eu pire. Nul n'est parfait. Regardons devant nous. Regardons l'année 2024. Ce qui va se passer en 2024. On n'entre pas dans une nouvelle année avec des problèmes. Parce qu'entrer dans une nouvelle année avec des problèmes veut dire que tu t'attises, tu gâtes déjà ton chemin dès le début d'année. J'aimerais pas avoir une année merdique. Je veux qu'en 2024, que je fasse encore, que je mette même les portes dans mon chantier, que je fasse encore beaucoup de choses. Et pour avoir ça, il faut travailler, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent, l'argent, c'est ça qui fait tout. Quand tu as l'argent, tu es respecté. Quand tu as l'argent, tu as ce dont tu as besoin. La santé même, avec l'argent, tu as même un peu de santé parce que tu peux payer les médicaments, boire pour retarder même ta mort. L'argent contribue au bonheur. Et l'argent fait le bonheur. Je ne veux pas entrer dans 2024 avec les problèmes. J'ai fini, maintenant fini ce live. Les personnes qui vont décrypter, même dans vos décryptages, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais vous deviez respecter et ne pas mal interpréter ce que j'ai dit. J'entre pas dans une nouvelle année avec les problèmes. Je ne veux pas mon année, je ne veux pas l'année, je ne veux pas entrer en 2024 avec les histoires pour que toute mon année soit que de la merde. J'ai déjà une grosse charge qui est m'occuper de ma mère. Je ne veux pas être moralement atteint en début d'année. Sur ce, je vous embrasse très fort et je souhaite une belle et heureuse année 2024 à chacun d'entre vous qui me regarde actuellement et ceux qui vont me regarder après. Je vous souhaite que cette année soit l'année de bonheur, de plus de sagesse et surtout beaucoup de santé en 2024. Parce que sans la santé, on n'est rien. C'est quand on est en santé qu'on peut tout faire. Donc, décryptez le direct, mais n'interprétez pas mal ce que j'ai dit. Je souhaite une belle heureuse année aux abeilles, à la TKC, au Lolomania, aux Warriors et aux Roses, comment on appelle les Rosettes, et à tous les autres teams. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Que cette année soit la meilleure pour vous tous, sans exception. Soyons ensemble. C'est le Cameroun qui gagne. Le Cameroun est un pays uni. On peut s'insulter, on peut se titiller, mais on s'aime. Le Cameroun avant tout. On s'adore. On s'aime. Malgré tout ce qui se passe, on s'aime. Le continent avant tout. Le continent, notre continent,
on doit te soutenir. On doit se soutenir. On n'est pas parfaite. Chacun est libre de faire les bêtises qu'il veut. Chacun doit réfléchir avec son cerveau. Dans un pays, il y a les fous du village. Dans un village, il y a le fou du village. Il y a celui qu'on apprécie. Il y a même ceux qu'on n'apprécie pas. Mais c'est pas autant pour ça que le village chasse le fou du village. Le fou du village est toujours là. On est ensemble. Soyons bénis. Notre pays, le Cameroun, notre beau pays, le continent compte sur nous, les enfants de la diaspora. C'est nous qui devons nous entendre en diaspora pour aller là-bas au pays prendre notre place. Parce qu'il y aura un ministère de la diaspora, il y aura un ministre de la diaspora. Et on doit s'entendre pour que notre voix porte au Cameroun. On doit être ensemble pour que notre voix porte. On doit s'entendre. Même si c'est le semblant de s'entendre. En politique, on fait semblant. Même dans la vie réelle, on peut le faire. On doit aller au Cameroun prendre la place de la diaspora. Le président de la République nous regarde. Le monde entier nous suit. On doit porter notre pays haut, de l'avant. On ne doit pas seulement porter notre pays dans la bêtise. On doit aussi porter notre pays dans les bonnes choses. Et on doit continuer à dénoncer ce qui n'est pas bien dans ce pays. Au pays, quand tu dénonces, on ne t'arrête pas. Si les gens disent qu'on a dénoncé au pays, on les a arrêtés. Parfois aussi, c'est les conneries. Le Cameroun a changé. Et tout le monde est sur les réseaux sociaux. On doit dénoncer. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'interpeller les parents des enfants qui ont bu la bière dans la vente emportée. Même dans les blagues, ça ne se fait pas. C'est l'image de notre pays. Au Cameroun, ce n'est pas un pays des alcooliques, ce n'est pas un pays des soulards. On ne peut pas nous présenter notre pays comme un pays où quand l'enfant naît, on commence à donner l'alcool. Non, c'est strictement interdit de faire goûter. On doit interpeller ses enfants. Et on doit d'abord interpeller la personne qui a filmé. La personne qui est... Et le Cameroun a la capacité. Le Cameroun a la capacité d'interpeller. Et on ne doit pas lâcher cette affaire. C'est une affaire pour tous. On doit interpeller la personne qui a posté cette vidéo. On doit arrêter cette personne afin que la personne montre les parents. Parce que même si c'est le film, même si c'est le sketch, il y a l'autorisation parentale. Tous les blogueurs sans exception, ce n'est pas le sujet de quelqu'un. Quand un sujet est sur la toile, ça doit être le sujet de tous les blogueurs. Ce n'est pas parce qu'un blogueur parle d'un truc que moi, je ne vais pas venir parler parce qu'on va dire qu'elle a pris le sujet de l'autre. Non, on doit tous dénoncer. Ça nous concerne tous. On ne doit pas présenter le Cameroun comme cela. Parce que ce n'est pas ça. On ne boit pas plus au Cameroun qu'ailleurs. Ici en Europe, il y a les soulas partout. Il y a les soulas. Quand tu viens en Europe, nous, on entrait en Europe, on ne buvait pas. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans le vin. Avant, je ne pouvais pas boire même un petit verre de vin. Quand je buvais, ça me cassait les pieds en quatre. Aujourd'hui, je bois deux bouteilles, ne sens rien. Parce que ce mbenki est fait ainsi. On doit interpeller. Oh, et on doit poster les photos de ces enfants-là, one by one. Vous deviez dès aujourd'hui, on doit entrer dans l'année 2024 avec ce sujet. Vous devez capturer et laver chaque photo de l'enfant présenté dans cette vidéo propre. Et on poste ça partout pour chercher les parents. Que les parents de ces enfants-là se présentent au commissariat. Parce que la personne qui a fait ça mérite la prison et une grosse amende. C'est au Cameroun que cette vidéo a été tournée. On ne peut pas venir aujourd'hui dire parce que on veut laver l'image du Cameroun, on dit que c'est au Tchad. Non, au Tchad, on ne fait pas ça. C'est au Cameroun que ça a été tourné, cette vidéo. Où les enfants boivent au bar. Parce que les biais du Cameroun, nous, on sait reconnaître. C'est au Cameroun, on doit interpeller ses enfants et on doit mettre les enfants en prison. Les parents. Parce que chaque parent est responsable de son enfant. Ici. Bon appétit, mon cœur. Ta maman, elle a dit, t'es arrivée, elle a dit, oui, maman. Donc, chaque parent ici, le parent est responsable de l'enfant. Arrêtez de dire que, oui, les enfants sont têtus, on n'était pas au courant. Chaque parent doit surveiller son enfant, je suis désolée. Surtout les enfants à bas âge, comme ça.
Non, c'est pas possible. Le bal, on doit retrouver dans ce... Je vais parler de cette histoire. Ce bar où la vidéo était tournée, retrouver ce bar, on doit poster. On ne doit pas s'arrêter de poster cette vidéo. Quand c'est ce qui est important comme ça, on ne vous voit pas des milliers de partages. Mais quand c'est les gens qui s'engueulent, vous êtes là. Vous êtes là comme ça. Mais quand on parle de ces sujets-là, vous trouvez normal dans un beau pays, dans un continent, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila, même si nous, on doit importer nos boissons en Côte d'Ivoire. Vous trouvez normal qu'on présente le Cameroun comme un pays où on commence à boire de bas âge? Non. J'ai goûté l'alcool quand même. Je n'avais jamais bu la bière. Ma faune ne mange jamais. Je n'avais jamais bu la bière dans mon enfance. C'est en Europe que j'ai connu tout ça. Arrêtons un peu. C'est trop. Parlons des vrais sujets. Ces gamins-là n'ont même pas 10 ans. Il n'y a aucun enfant qui a 10 ans sur cette vidéo. Ce sont des bébés. Zumento a déjà posté. Non, le pays de Nganou, Zumento doit trouver. Il faut dénoncer. On doit dénoncer. Quand il y a un sujet de dénonciation dans ce pays, on doit tous faire le travail de dénoncer. Ce n'est pas que oui, si tu parles, on va t'arrêter. C'est notre Cameroun, nous tous. Le Cameroun, là, c'est notre pays, nous tous. Lise Sophia Brenda, excuse-moi alors comme elle t'insulte souvent. Ouais, mon bébé chou, avec Akamayon. Ouais, les abeilles. Les abeilles, je vous présente les excuses. Les abeilles que je suis, il y a souvent, non. Hein? En 2024. Je ne vais plus vous sissia. Quand j'annonce aussi un direct, je veux poser que les gens commencent à me suivre majeur et vacciné. Quand j'annonce un direct, je veux poser les conseils qu'on commence à m'appeler pour savoir ce que je veux dire. Moi, je suis quelqu'un qui est spontané. Je n'aime pas trop quand on me dit que tu vas dire que tu... Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vécu comme ça, moi. On ne me dicte pas ce que je dois dire. Laissez que ça sorte. Quelque chose qui sort naturellement et une parole qui sort de la bouche naturellement. Est quelque chose qu'on pense. J'aime pas l'habitude trop de venir d'abord dire que je vais dire que je vais dire que. Et c'est ça quoi. On attend le discours des leaders du Cameroun. On attend le discours du président de la République qui aura lieu, je pense que sur la télévision nationale qui est la CIA TV. Donc, on attend ce discours. On attend toujours de voir le tunnel. Le tunnel. Le tunnel qui est devant nous. On attend toujours le bout du tunnel. Je sais que le président de la République va s'adresser aux jeunes. C'est qui est sûr. Il va parler de la CAN. Tu sais que quand on attend le discours, on commence à dire à peu près, on commence à miser à peu près ce que le président va dire. Le président parlera de la jeunesse. Parce que le président mise beaucoup sur la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Il va parler de la jeunesse, il va parler un peu de sport et puis... je parie qu'il parlera de la jeunesse, un message à la jeunesse. Non, le message de la jeunesse, c'est souvent le 11 février, non. Mais le président va quand même parler de la CAN. Il va encourager les lions comme d'habitude. On espère qu'il y aura le nom de Francis Ngannou que l'on va apprécier. Le président va apprécier. Est-ce que c'est obligé aussi? Est-ce que c'est obligé qu'ils disent que oui, Francis Ngannou, c'est obligé? Donc, on attend le discours du président de la République aujourd'hui. Prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas... Vous savez quoi? J'ai vu le visage des influenceurs ivoiriens. Vous savez quoi? Cette belle famille qui veut toujours profiter de nous. Pourquoi? Après, la belle famille aussi profite. Quand tu es bête, la belle famille profite de toi, non? Apoutou a fait son truc ici. Il faut voir comment j'ai parlé de ça. Il faut voir comment j'étais. Vous avez vu, la belle famille m'a soutenu. Ah, malin. Dans le mariage, chacun a sa sagesse, non? Quand une femme part en mariage, tu essaies aussi d'entretenir ta famille. Si tu laisses seulement que tu vas entretenir la famille de l'homme pour te faire aimer, quand ça va finir, tu vas te retrouver où? Dans ta famille, non? Les qui vont se moquer de toi? C'est ta propre famille. On m'a dit que quand le mariage était sucré, tu nous donnais quoi? Allons suivre les Ivoiriens. Malin et demi.
Parce que vous les Camerounais, vous avez trop le mauvais cœur. Vous êtes trop jaloux. La même chose que je fais. Quand c'est les Ivoiriens, vous appréciez. Mais quand c'est gnoc 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 Fleur de Lille, gnoc 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 Fleur de Lille, gnoc 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 Fleur de Lille. Alors que quand c'est en Côte d'Ivoire, vous aimez toujours vous faire aimer par les voisins. Vous avez déjà la femme là-bas, vous voulez encore quoi? Hein? Vous voulez que tous les hommes camerounais, vous voulez seulement que vous ayez en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Hein? Comme si, ça dit que là-bas, le français même, il dit que pour écouter, hein, tu nettoies tes oreilles 100 fois pour dire que le mot aussi veut dire. Vous avez d'ailleurs le dictionnaire ivoirien devant vous pour suivre là-bas. Sur TikTok, vous dormez debout. Vous dormez comme ça, assis. Non, il faut que je parle même sur TikTok, non. Les gens, maman m'a lancé. Mon téléphone TikTok, s'il n'est pas chargé. Hey, je m'avais souhaité la bonne année sur TikTok. Non, je m'en vais moi sur TikTok. Non, pas aujourd'hui. Mais TikTok, je ne peux pas, mais je suis fatiguée, mon cœur. On commence TikTok 2024. Je serai maintenant que sur TikTok. C'est là-bas que je m'en vais. Oui. Bisous, non. Je vous aime très fort. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de me dire que va sur TikTok. C'est pas chargé le téléphone. Rendez-vous en 2024. Flore fait la nuit des influenceurs. On fera ça peut-être au Cameroun. On ne peut pas tout mélanger. Allons au feu à mes yeux. D'abord la prestigieuse nuit de l'ambiance 2024. Objectif 1500 personnes, guichet fermé. Je vous présente la salle définitive et surtout, on fera les artistes avec le contrat bien signé, maman. Avec les avocats sur ça. Je vous informe, je laisse la place aux autres. Hein. Vous savez qu'à la télé, comme ça, je laisse la place aussi aux autres influenceurs de souhaiter la bonne année et à leurs fans. Bonne année à vous, je vous aime très fort. Bonne année à toi, ma copine. Compresseur. Bonne année à Warios. Bonne année à toi, Ducamer. Bonne année à toi, Lolo. Bonne année à... Il y a quel... Bonne année à qui? On va même souhaiter bonne année. Donnez-moi le nom des gens que la MAF va les souhaiter bonne année. Bonne année à Warios, la veuve joyeuse. Bonne année à toi. Bonne année à ma copine, maman Pépé. Mettez le nom des stars qu'elle doit souhaiter bonne année. Oui. Bonne année au couple Messan. Bonne année, étoile cribienne. M'en disant ouais. Ok, je n'en sais pas. Bonne année, ma bonne année, Maï 5 étoiles Pro Mars. Bonne année, ancien Yamseur, Tata Lolo. On continue. Que quoi? Amen quoi? Je ne lui souhaite pas la bonne année. Pourquoi? Bonne année à la reine galloise. Mamie a fait soi-même sans toi. Oui, continuez. Bonne année, Balata de Balatos. Il faut contribuer dans sa cagnotte. Bonne année, Omulema. La reine galloise, bonne année, les enfants. Elle a fait, c'est-à-dire que cette dame, elle a du cœur. Quand je pense à son travail, les larmes peuvent couler. À quoi? Bonne année, qui? Oui, bonne année au présent, Amoté, toute sa famille. Bonne année à la reine Mère Bio. Bonne année à Mini Minor. Bonne année à la Lyon. Bonne année à Priscaline d'Alomaï. Bonne année à Nicole Ketcha. Bonne année à Tatana. Elle est la tata de qui? Elle n'est pas ma tata, chérie. J'ai donné le nom. Vous voyez comment quand ma faudon ça cale. Qui a donné le nom là? Bonne année à Kunagero. Écrivez Veli. Bonne année à Djenebali. Bonne année au grand Koun, le parrain des parrains. Continue à écrire. Lilian Kelly, bonne année à toi. On m'a envoyé un message que quand elle m'a agressé, que pourquoi elle souhaitait la bonne année à qui? C'est ton mur. Va créer ton Facebook.
Attendez, voir, quelqu'un vient de m'envoyer un message que pourquoi tu as souhaité la bonne année. Et ne prends pas le téléphone. Bonne année à Joël de Château Rouge, mon frère chéri. Atki, Toubillon, il est tout là. Bonne année à maman. Maman, on a bonbon goufier l'eau. Elle dit bonne année à Elbias, mon manager. Non. Bonne année à Dieu éternel, mon frère chéri. Bonne année à moi-même, ma fouflore de l'île. Bonne année à Michel de Boston. Ah, c'est comment, Mich? De Boston. Maman, on a peu fait 100 tours. C'est-à-dire que... bonne année à Tata Guylaine Chapuis. Maman, elle n'a que... quand je suis assise, c'est-à-dire qu'elle veut qu'on cause. Bonne année à maman, elle veut qu'on cause. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Oui, c'est qui? Bonjour? Bonjour, c'est Tata Georges. Non, j'ai oublié. Je peux te rappeler après, s'il te plaît. D'accord, ok. D'accord, merci. Je ne sais même pas. Ah, tonton Joël. Bonne année à Nestor, bonne année Edouard Bala, bonne année Adelina, bonne année à Michel Essomba, bonne année Majoli Ngamba, bonne année à Tata Doudou Ngamba, bonne année à Bertrand Saumon Chic, bonne année à la maman de Majoli Ngamba, bonne année à la mère, maman Marie-Josée, la maman de Compressor, bonne année à toi, bonne année Somlan Mafo, la mère des abeilles, bonne année au présent Henri Mamouza, bonne année à Mira Cosmétique. Bonne année à Mira Cosmétique. Bonne année à Bertini. Bonne année à Tata Doudou. C'est dit. Bonne année à Lady Ponce, ma belle sœur chérie. Bonne année à Aki Oro Angula. Bonne année à Henri Mamouza. Bonne année à la baronne de Suisse. Bonne année. Vous écrivez les mêmes choses beaucoup de fois. Comment? Bonne année au général Camille Makoso. Bonne année à Ndolé Miondo. Bonne année à Liberté la Sensuelle. Bonne année à Flore Choupinette. Bonne année à Mbanga Diaspora. C'est toi-même qui viens écrire ça, non, Eve? Bonne année, FP Magina. Vous aimez trop quand il y a vos noms. Présent Edouard Bala, il a eu ça beaucoup de fois. Bonne année à Nadège T'imparfait. Bonne année à Nadège T'imparfait. Bonne année à Machan, Machan Chou. Bonne année à Gluta Boss. Bonne année à toi. Bonne année, Lolo Beauté. Ça, ce sont les Ivoiriens. Vous venez écrire les noms de vos stars. Bonne année à Aude Lamborghini. Bonne année au général Ongili. Il est au Cameroun, là. Bonne année à Diamond Lady. Ça, c'est madame... madame Elbias. Bonne année à Laurence Glam. Bonne année, papy de Longchamp. Bonne année, ma Fongoufi. Il n'y a pas de problème. Vous écrivez, vous croyez qu'elle ne veut pas lire. C'est ma soeur, non? Pourquoi je ne vais pas lire? Bonne année à Stella Amougou. Bonne année à Carly Douce. C'est ça, Brianne Sawa. Anastasie de la Régression. Régine Mebio. Yaka Yaka de Paris. Bonne année à toi. Bonne année, ma fille, les 5 étoiles. Bonne année, Sophie Linda. Sophia Le Brenda. Bonne année. Tu veux boire le mamie, hein? Maude Karine. Donc, vous écrivez au nom. Hein? Bonne année à ma belle-sœur chérie Josephine Bayan à Benseye. Bonne année à Valérie Amougou. Bonne année Valsero. Bonne année Clarisse Eyenga. Bonne année Coco Agenté. Valérie Amougou. Bonne année. Malos et Fadi le sorcier. Bonne année. Ah, vraiment, vous êtes grave, hein? Bonne année, Flore brésilienne. Ashley Trésor. Bonne année, Choupi Van. C'est vous maintenant. Vous souhaitez bonne année à vos gens. Ma pas Evie de Milan. Bonne année. C'est fini, non? Tu as oublié mon FP, Flore Magina. C'est quoi? Tu veux seulement que tu sois bonne année 5 fois. Tu es le seul enfant ici, là. Souhaite-moi bonne année. Bonne année à Calibri Calibro. Ma, ou peut-on Loïc aussi, non? Maman, d'amour, il y a
On peut tout l'oïc aussi, ma. Ah, on dit, maman, comme Nancy. Bonne année, Solange Bi, Calibri. Oui, c'est bon. Ma, ah, c'est le bonne année. Tu peux boire le vin, hein. Blue Lopez, bonne année. La famille Sani, Sista, les Kim Kardashian de Paris. Bonne année à vous tous. Gros bisous. Pourquoi vous mettez le camp for me? Après, les gens vont dire que Flore Delis nous a fait quoi? On est toujours devant. Vous-même, vous faites quoi pour que quand je lance direct, je suis toujours là? Bonne année à toutes les vieilles chouettes. Ashley Lambert, bonne année à toi, ma petite soeur chérie. Maman Pion. Saint-Charles Renaissance, Magina, bonne année. Bonne année Alice Nana. Bonne année à la diva Chantal Aïssi. Bonne année Karine Bibiane Richaud. Bonne année à elle. Bonne année à la team PDG. Bonne année à Niad Barano. Bonne année à Karine. Bonne année à Karine Richaud. Bonne année à elle. Ivana Trump, tu te souhaites bonne année seule. Vous aimez tout ça. Bonne année à Mélanie qui... C'est bon, non? J'ai trop parlé. Ma avec en cause. J'ai dormi dehors aujourd'hui. Boxeur. Maman, le boxeur s'est marié. Mon espoir est tombé dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, le boxeur s'est marié. Mon espoir est dans... Félicitations au boxeur qui s'est marié. Sincère félicitations à la femme qui a su mettre le boxeur dans la maison et faire de lui un époux responsable. Bonne année à toi. Voilà. Bonne année à qui? Vous voulez les gâter? Bonne année à Doudou. Bon rétablissement à Flore Kunga. Bonne année au père vrai des abeilles, le Péki, tes noyaux. Tu as entendu, non? Donc, quand tu me vois, dont un Péki peut me mopper. Vos couples gnasses de Facebook, là, non? Demandez aux couples gnasses de se mopper. Et se mopper, non? Aïcha Jamila, bonne année. Bonne année à Beauty, Nina Beauty, celle qui fait ses cheveux. C'est toujours les mêmes là que vous connaissez. J'arrête souvent le pompon. Nina Beauty, depuis l'Allemagne. Bonne année à toi, bon, Nina Beauty. Qu'est-ce qu'elle mange? Poupouyou. Sierra, t'as fait quoi? Tu ne sais pas? Approche ici, viens par là. Qu'est-ce que tu as fait? Mets-toi là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde, tu as vu la bêtise que tu as fait? Tu as mis tout le chocolat sur le truc. Tu dis que tu ne sais pas. Hein? Si, tu as fait ça. C'est pas que tu ne sais pas. Tiens, le sopalin est où? Va chercher le sopalin. Oui, le sopalin. Oui, à la cuisine. Bonne année à la Lyon. Jean-Robert Ngamo, bonne année au remplisseur fort, le remplisseur des salles. PDG des... Bonne année quoi? PDG des plantains, c'est qui? Elle m'a envoyé. Il est là? Essuie le sopalin. Qui t'a donné? Essuie, nettoie. Il est là. Nettoie. Non, je vais faire, chérie. Laisse. Ok? Laisse. Essuie ta bouche. Mamie, elle va venir faire. Je coupe. Je viens m'occuper de toi, d'accord? Bisous, les cœurs. Bisous, bye.